Chers collègues, chers partenaires, chers amis, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Dear colleagues, dear partners, dear friends, I'm really, really happy to be with you today. Bonjour, bienvenue. Nous, le Collège La Salle Montréal, nous sommes très heureux de vous accueillir en ligne et en présentiel aujourd'hui dans le cadre de notre journée pédagogique. Nous sommes honorés de la participation de différents acteurs de l'industrie, des enseignants et des étudiants qui échangeront sur les enjeux liés aux ressources humaines. Good morning. Welcome to LaSalle College. We are very happy to welcome you here in person and online for this Pedagogical Day activity. We are honored by the participation of different important players in the industry, by the participation of our teachers and our students, who will discuss the human resources. Notre panel de l'industrie est composé de, our industry panel is composed of, Monsieur François Chevrier, Directeur Général Événement Attraction Québec, qui agira à titre de modérateur auprès des panélistes. So, Monsieur François Chevrier, who will moderate the discussion. Monsieur Xavier Gray, Président du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. Monsieur André Roy, PDG de l'Association Hôtellerie Québec, AHQ, qui sera en distance. Monsieur Mario Leblanc, Directeur Général de Tourisme Montérégie. De plus, j'aimerais vous présenter la relève et une enseignante qui participeront aux discussions. I would also like to present to you the next generation of actors and the teacher who will participate in the discussions. Anastasia Chala, étudiante seconde année programme tourisme, second year student. Brittany Feld, étudiante finissante printemps 2022, programme tourisme. Student who will finish in the spring of 2022. William Lavictoire, diplômé printemps 2021, programme hôtellerie. William Lavictoire, who just graduated. Et Danielle Eltaïa, enseignante à l'École internationale de hôtellerie et tourisme. And Danielle Eltaïa, a teacher in our Hotellerie and Tourism School. Merci de votre participation. Thank you very much for your participation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur François Chevrier. Without further delay, I will give the microphone to Monsieur François Chevrier. Bonne discussion. Have a good discussion. Merci beaucoup. Bien, bonjour à mon tour, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Quelques-uns dans la salle, beaucoup en virtuel. On a essayé d'être un bon miroir. On est donc présentiel aussi, mais présence en virtuel pour André. Je vous mentionne rapidement le déroulement de nos discussions et nos échanges ce matin. Donc, il y aura un rapide tour de table là, des panélistes un peu pour qu'ils se présentent, que vous ayez une idée de leur parcours, non seulement de la fonction qu'ils occupent actuellement, mais un peu les différentes étapes ou les fonctions qu'ils ont occupées dans leur carrière dans le secteur. Donc, ça va vous donner un peu de perspective sur les commentaires qu'ils pourraient faire ou les observations qu'ils ont envie de vous partager sur la situation actuelle là, par rapport aux enjeux de main-d'œuvre. Ensuite, on a une période d'échange avec les panélistes professionnels où on va aborder certains angles, puis on va essayer d'aller chercher un peu leur point de vue pour éclairer la situation, puis pour susciter ensuite les échanges et la conversation qu'on va ouvrir avec les étudiants et l'enseignante pour après ça donner de la perspective et voir comment situation actuelle, professionnelle, relève, comment on va relever ce défi-là tout le monde ensemble. Et on pourra donc à travers aussi recevoir des questions. On m'a équipé technologiquement, donc on pourra aussi avoir des questions des participants en virtuel qui pourront m'être acheminés, qui me permettront de relancer les différents participants puis d'aller chercher les perspectives qui vous intéressent pour qu'on puisse ensemble cheminer puis être capable de relever ce défi-là. Donc, je commencerai simplement par ce volet-là, de briser la glace et de présenter un peu le parcours
Je vais y aller dans l'ordre où ils sont ici avec moi. Fait que Mario, je te laisserai quelques minutes là, pour te présenter ton parcours. Bien, merci beaucoup de cette invitation-là. C'est un honneur et un privilège de vous rencontrer. Là. Bravo pour les initiateurs de cette activité-là. Moi, je suis directeur général de Tourisme Montérégie depuis maintenant un petit peu plus qu'un an. Je suis rentré en pleine pandémie. Auparavant, j'étais directeur général de Tourisme Côte-Nord. J'ai toujours œuvré dans le développement économique, principalement dans la région de Québec et de Charlevoix. Donc, j'ai touché beaucoup au tourisme. Et l'enjeu de main-d'œuvre, je le vis comme gestionnaire, comme directeur d'une association touristique régionale. Mais je le vis aussi comme entrepreneur parce que je suis aussi partenaire d'entreprise qui détient des résidences touristiques à Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière. C'est-à-dire que je le vis à deux niveaux. Je peux vous dire que j'ai vécu pleinement la pandémie depuis presque deux ans maintenant et je peux en témoigner sur certains enjeux. Merci. Bien, merci Mario, c'est intéressant. Donc, ces deux volets-là dans tes interventions. On rejoint donc en direct de Québec M. André Roy qui est avec nous. Bonjour André. À ton tour de présenter un peu ton parcours. Donc, le massif de Charlevoix, la station de ski, mais aussi le futur lieu du Club Med. Alors, vous voyez un parcours, somme toute, très, très différent, dans des emplois extrêmement variés. Et ça, je pense que pourquoi je vous partage ça, c'est pour vous montrer à vous, chers étudiants, que le monde du tourisme, c'est large. On peut faire plein de choses, des projets super passionnants. Alors, écoutez, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je pense que j'ai touché pas mal à tout ce qui peut se faire dans le tourisme et je vais être très heureux de vous partager ça. Merci beaucoup, André. Dernier, mais non le moindre, Xavier. Oui, bonjour à tous. Vous pouvez rajouter deux heures à la conférence suite à mon expérience. Donc, je suis très content d'être ici, surtout d'être avec vous, les jeunes, c'est important, et aussi d'être en présentiel et puis de voir qu'on a des finissants et qu'on a des gens de 2020, 2021. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça, on en a bien besoin. Alors, c'est vraiment un honneur d'être pour moi ici aujourd'hui en présentiel. Effectivement, moi, j'ai un parcours où, vous reconnaissez mon accent, je suis arrivé en 98 au Québec. Avant ça, j'étais en France, j'ai fait mon école hôtelière à Paris, l'équivalent d'un bac en gestion et marketing hôtelière. J'ai travaillé à Londres également pour une brasserie qui s'appelle Langas Brasserie qui appartenait à Michael Caine. À Paris, j'ai travaillé pour le Crillon et l'Utessia, qui sont des palaces. Je travaille aussi pour le groupe Accor en France, pour le groupe aussi également Holiday Inn. Et ensuite, je suis arrivé au Québec, où là, j'ai travaillé comme toujours dans la restauration. J'étais un maître d'hôtel, assistant F&B. Et quand je suis arrivé au Québec, je suis reparti du début, parce que là, ce qu'on m'a dit, c'est que je n'avais pas d'expérience nord-américaine. Alors, je suis reparti travailler dans un restaurant Le Fouquet's, qui était rue de la Montagne comme serveur. Je travaillais là un petit peu. J'étais assistant maître d'hôtel, premier maître d'hôtel au Sheraton à Laval. Ensuite, j'ai travaillé au Renaissance Montréal. Je travaillais aussi au Marriott Château Champlain comme event manager, comme directeur adjoint des banquets. Et par la suite, je me suis dirigé dans l'associatif et je suis arrivé à l'Association des hôteliers du Québec comme coordonnateur. Ça, c'était en 2010. En 2016, je suis passé directeur général de l'association. Donc, j'étais ensuite PDG de l'Association Hôtellerie Québec, où est André présentement, et maintenant nouvellement nommé directeur général du Conseil québécois en ressources humaines et en tourisme, le CQRHT. Alors, vous voyez, un parcours qui peut vous emmener loin. On peut partir d'un niveau de serveur et se projeter beaucoup plus loin
C'est ça la beauté de notre secteur d'activité. Ça nous permet de vraiment, comme l'a dit André, de couvrir tout un échantillonnage de secteurs d'activité. D'ailleurs, sachez qu'il y a 400 types d'emplois dans notre secteur d'activité touristique. C'est énorme, là, 400. Alors, on couvre large l'industrie touristique et on a pour tout le monde. Alors, voilà la petite expérience de Xavier Gray. Merci beaucoup, Xavier. Merci. On m'a donné un double rôle. Enfin, j'ai le privilège d'être le modérateur, mais on m'a demandé aussi d'intervenir comme panéliste. Donc, je me prête à l'exercice également. Donc, directeur général d'événements Attraction Québec depuis 2 ans seulement, mais dans un parcours où j'ai assez hétéroclite également, là, diplômé universitaire en gestion du tourisme, mais passé par différents mandats et différentes organisations au Parc olympique, à Tourisme Montréal. J'ai ensuite été en agence de publicité. Je suis retourné à l'université, mais cette fois-ci dans l'équipe du réseau de veille en tourisme où j'ai été près de 3 ans avant de repartir en affaires avec des collègues dans une firme de marketing web spécialisée. Pratiquement tous nos clients étaient dans l'univers du tourisme au Québec. Puis ensuite, je suis allé prendre la direction générale de ATR Associés, qui était le regroupement de toutes les associations touristiques régionales au Québec. Et j'ai œuvré à ce que cette association-là évolue. Ça a amené à la création de l'Alliance de l'industrie touristique, où j'ai œuvré aussi pendant quelques années jusqu'à venir prendre ce nouveau défi-là là, dans une association sectorielle et d'accompagner activement là, les entreprises du secteur des attractions, et festivals et événements. Donc, je vais aussi peut-être compléter les échanges avec cette vision-là ou ce chapeau-là distinctif, mais je viens aussi nourrir cette démonstration-là que les parcours dans l'industrie touristique sont diversifiés, passionnants, beaucoup de déplacements latéraux, une capacité de changer de type d'établissement dans cette grande famille-là d'industrie. Donc, ça amène des opportunités qui pourraient nous aider face à ces enjeux de main-d'œuvre-là, mais qui nous amènent aussi aujourd'hui d'avoir une perspective dans nos échanges. Donc, messieurs, je vais vous déjà plonger dans le cœur du sujet là, sur ces enjeux-là de main-d'œuvre. Avec vos chapeaux actuels, je vais vous interpeller un peu sur comment ça se vit, cette rareté ou cette pénurie de main-d'œuvre. Elle s'exprime comment, sans penser qu'on aura la vision? Mario, naturellement, là, sur le volet un peu, qu'est-ce que c'est pour un office de tourisme ou une association, mais aussi ce que tu entends de tes membres sur le terrain. Puis André, bien, je vais te relancer sur l'hôtellerie, mais n'hésite pas à élargir aussi de ce que les collègues peuvent te raconter encore au niveau. Puis Xavier, bien, tu as le chapeau CQRHT depuis peu, donc tu pourras aussi te permettre de compléter. Puis j'ajouterai aussi pour attractions et événements dans le parcours. Fait que, Mario, je te lancerai la balle en premier, là. Comment ça s'exprime, ces enjeux-là, actuellement? La crise de main-d'œuvre ou la rareté de main-d'œuvre, ces impacts se font sentir comment? Bien, si on prend, par exemple, dans l'hôtellerie, qu'un secteur que Xavier connaît très bien aussi, parce qu'il y était avant, mais ça fait sentir beaucoup aussi sur les gestionnaires. Hein? On parle des employés, les jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail. En tourisme, c'est merveilleux, on vend du bonheur, puis on vit dans une atmosphère qui est super intéressante, qui est motivante. C'est un beau milieu pour attirer des gens. Mais ce que j'entends beaucoup de nos membres, c'est, par exemple, des dirigeants d'hôtels ou d'hébergements touristiques qui doivent pallier au manque de main-d'œuvre. Ça a un impact aussi sur la réduction des heures d'ouverture pour certains attraits. Donc, ça génère énormément de pression. Par contre, je pense que c'est une situation qui va se rétablir à plus ou moins long terme, mais j'ai l'impression qu'on vit un peu la période la plus importante de cette pénurie de main-d'œuvre-là, le temps qu'il y ait un rééquilibrage qui se fasse aussi. Mais cependant, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une réorganisation du travail qui se fait. Et ça, c'est probablement que ça va provoquer une accélération de la réorganisation des méthodes de travail pour faire certains gains de productivité. Puis la productivité ne veut pas dire qu'on met plus de pression sur le travail des gens, mais on améliore les processus. Et aussi, ça implique probablement aussi une meilleure communication auprès de la clientèle pour une certaine gérer les attentes. Les attentes doivent être différentes aussi de la part du consommateur, du visiteur. Par exemple, dans l'hébergement, dans certaines situations, les chambres ne se font pas maintenant à chaque jour. Donc, il faut gérer ces attentes-là de la part du touriste, du client.
Puis, c'est toute une adaptation, mais en même temps, c'est un défi intéressant. Puis, il y a de belles opportunités d'emploi dans le secteur touristique. Et c'est un secteur qui a toujours été en croissance, sauf dans la dernière, dans les derniers deux ans. Et Mario, si tu penses à toi comme employeur, peut-être des collègues à Montérégie qui dirigent les offices de tourisme, donc des services d'accueil, des comment ça s'est pour nous autres, effectivement, on le vit comme organisation, notamment dans les bureaux d'accueil, c'est tout un défi de recruter actuellement. Et nous-mêmes, on vit cet enjeu-là on a des heures d'ouverture à respecter, on annonce des heures d'ouverture, et c'est tout un défi de respecter ces engagements-là qu'on a au niveau de l'accueil, et notamment les fins de semaine. Fait que ça amène toute une façon de revoir notre façon de fournir l'information touristique. Évidemment, on va s'en aller de plus en plus. On était déjà engagé dans ce processus-là de web, de chat. Ça va accélérer ce processus-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas juste réorganiser les horaires, c'est de réorganiser même le travail ou la prestation de service. Effectivement. André, je vais te relancer donc sur la même question en disant dans ce que toi, tu as vécu, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, tu dirigeais un groupe d'employés importants au Massif, mais depuis peu, là, encore avoir les commentaires, témoignages des gens de l'hôtellerie, l'impact, il y vit comment? Concrètement, là, ça veut dire que qu'est-ce que ça implique pour une entreprise, pour un employé? Ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Ce que j'aimerais commencer par dire, par contre, c'est que la pénurie de main-d'œuvre n'a pas débuté là, avec la pandémie. On vivait déjà des manques de ressources humaines avant la pandémie. Ce que la pandémie a fait, c'est que ça a amplifié cette problématique-là. Alors ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Là. Ça ne date pas d'hier. Sur le terrain, ce que ça veut dire, le manque de ressources, ça veut dire, par exemple, un hôtel qui a 100 chambres, vu qu'il n'y a pas assez d'employés pour faire l'entretien, ben il y a peut-être des soirs qu'au lieu d'en louer 100, même s'il y avait la possibilité d'en louer 100, ben il va prendre le choix, la difficile décision de dire, ben ce soir, je vais louer que 80 chambres parce qu'il y en a 20 que je serai pas capable de faire demain. Alors, ça a un impact, évidemment, sur ses revenus qu'il va être capable de générer dans une période où il y a de la demande, puis on le sait, la demande n'est pas là à l'année. Donc, ça, c'est déjà une problématique là, au niveau des revenus. Ça met de la pression sur, évidemment, les équipes qui sont déjà là. Ça met beaucoup de pression. Et là, ben les propriétaires, les gestionnaires doivent sauter sur le terrain pour donner un coup de main là aux employés de première ligne. Alors ça, c'est un impact qui est drôlement important parce qu'évidemment, les gestionnaires, pendant qu'ils sont en première ligne avec les employés, ben ne font pas nécessairement toujours leur travail. Ils doivent le faire par la suite. Alors, ça devient très, très, très problématique. Si je peux parler du Massif, nous, c'était notre premier été où on lançait une activité de vélo de montagne. Je souhaitais offrir une restauration. Écoutez, ça a été impossible de trouver des employés. Tout à fait impossible. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, là, mais il n'y avait rien à faire. Alors, écoutez, diminution des services. Vous promenez dans les rues, que ce soit de Québec ou de Montréal, des restaurants qui sont fermés les lundis, mardis, faute de personnel. Alors, c'est tout ça que ça a comme impact, la pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'ultimement, on épuise un peu plus nos équipes, on lui met un peu trop de pression peut-être, et bien évidemment, ça a des impacts financiers. Mais il y a des éléments intéressants, parce que comme Mario le soulignait en disant, ça nous oblige à ne pas juste se consolider en attendant un retour à l'ancien normal, mais de s'inventer une nouvelle normalité. Toi, quand tu vois des gestionnaires qui descendent sur la première ligne, donnent un coup de pouce, ça doit quand même changer un peu l'expérience de travail ou l'expérience employée que de côtoyer ou de voir son patron être complice, puis être descendre sur la première ligne. Est-ce que tu as des échos de ce type-là où je sais que les gestionnaires, c'est pas le bout, ils ont le plus de plaisir parce qu'ils savent la charge de travail au deuxième étage, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on a à apprendre de ça, cette mixité-là, cette présence terrain? Bien, bon, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi, François. Peut-être le côté positif, c'est que ça ramène les gestionnaires sur le plancher des vaches, donc qui vivent la problématique que nos employés vivent. Puis ça, je pense que c'est toujours bon. Là, moi, écoutez, j'ai décrit mon parcours là, depuis 40 ans, puis toutes les fois que je changeais d'emploi, le premier geste que je faisais, c'est d'aller sur le terrain puis de vraiment bien comprendre ce que nos employés de première ligne vivent au quotidien. Je pense que comme gestionnaire, ça nous permet après ça de prendre des bien meilleures décisions, puis aussi ça nous permet de créer notre crédibilité, parce que bon, t'arrives comme nouvel employeur,
Exemple, quand je suis arrivé à l'Aquarium du Québec, il n'y a pas de cours qui te prépare à gérer un aquarium. Il y en a juste un au Québec. Alors, tu apprends vraiment, là, excusez l'expression, mais tu apprends sur le tas. Alors donc, d'aller sur le terrain, c'est vraiment pas mauvais. Au contraire, moi, je continue de croire que c'est vraiment une belle façon de s'apprendre le produit, puis les employés sont contents de voir le patron œuvrer avec eux. Par contre, évidemment, comme tu l'as dit, puis que je l'ai mentionné aussi, le gestionnaire, quand il fait des chambres, ben, il fait pas son travail, il va peut-être couper un peu dans sa gestion, dans son marketing, dans sa gestion des revenus. Alors, c'est sûr que ça a un impact sur la business, c'est indéniable. Donc, puis comme le disait Mario, il y a des choses qu'on peut essayer de changer, certains processus, il va falloir voir ce que la clientèle est prête à accepter. Mais on s'entend, on est des entreprises de services, on est des gestionnaires de bonheur, comme dirait Mario. On ne pourra pas tout informatiser puis robotiser. Je pense que le contact humain, oui, on peut peut-être faire des enregistrements, des arrivées plus informatisées avec des bornes, etc. Mais ultimement, nos clients, c'est pas des bornes qu'ils veulent voir, hein. C'est des en parler, c'est des échanges humains, des conseils, des. Donc, je pense que oui, on peut essayer d'optimiser certains processus là où il n'y a pas de valeur ajoutée d'avoir des ressources humaines, mais les ressources humaines dans le tourisme, je pense que ça va toujours demeurer, puis il va falloir être très créatif si on veut être capable de passer à travers cette crise-là. Puis il faut intéresser les jeunes, puis c'est un peu pour ça qu'on en parle ce matin. Il y a tellement de belles choses à faire dans l'industrie touristique. Alors, il y a des défis, c'est sûr, mais c'est drôlement passionnant. Bien, merci, puis j'aime ça, cette perspective-là, en disant comment on va voir collectivement la technologie, non pas comme du remplacement humain, mais de l'optimisation, de rendre donc notre employé plus efficace, plus performant, alléger la rigueur de sa tâche, augmenter sa productivité en service, plutôt que de penser à le remplacer. Ça va faire probablement des parties des défis des gestionnaires qui vont venir nous rejoindre bientôt sur le terrain. Xavier, qui a la double perspective maintenant, il faut savoir là, pour les gens que tu es impliqué au CQRHC, au conseil d'administration depuis longtemps. Donc là, tu en as pris la direction générale. Comment tu compléterais ça un peu, constat des impacts de cette rareté de main-d'œuvre, puis les éléments que ça nous amène à réfléchir de comment on devra trouver des solutions? Bien, écoutez, on prévoit une perte de 27 000 emplois, là. Donc c'est quand même quelque chose dans l'industrie. Par contre, il va falloir transformer la contrainte en opportunité parce qu'il y en a pour 10 ans, alors au moins. Alors, il faut le savoir. Et puis, c'est un impact direct sur la qualité de notre produit. Ça aussi, il faut le savoir. Et la qualité de notre produit, c'est aussi l'international. La bonne affaire, c'est quand on regarde l'international et qu'on se benchmark, ben, ils ont la même problématique que nous. Alors, on peut se rassurer avec ça parce qu'ils vivent les mêmes situations que nous de pénurie de main-d'œuvre, en employabilité. Par contre, je pense que pour nos jeunes, c'est une opportunité incroyable. Il y a des postes qui vont s'ouvrir à vous qui n'étaient pas ouverts avant. Par contre, effectivement, l'impact est important dans les entreprises. L'impact est important sur le plan opérationnel, comme mes collègues m'ont indiqué. C'est le manque de rentabilité. Vous savez, on a fait une étude avec le CQRHT. On a évalué d'ici 2023 un manque à gagner de 1,7 milliard de dollars entre l'hôtellerie et la restauration en termes de manque à gagner financier à cause de la main-d'œuvre. Alors, c'est pas rien, là, c'est important, là. Alors, dans ce volet-là, il va falloir s'appliquer et changer nos façons de faire. C'est clair. Nos façons de faire, et puis on en parlait un petit peu dans la technologie, vous savez, présentement, aux États-Unis, les bannières hôtelières, ce qu'ils prônent, c'est de faire payer pour le nettoyage de la chambre. Donc, vous allez prendre votre chambre, vous restez là une semaine, ben, pour faire nettoyer votre chambre, il va falloir payer en plus, sinon il n'y a pas de nettoyage de chambre. Alors, ça aussi, ça impacte le client. Il va falloir qu'il y ait des services qui vont changer. On parlait tout à l'heure de bornes, par exemple, d'accueil. On va arriver certainement à ouvrir la porte avec notre cellulaire. Et ce qu'on souhaite éliminer, puis c'est un peu ce qu'on appelle le smart tourism, là, c'est d'amener la technologie, d'amener l'automatisation, d'amener l'intelligence artificielle dans nos entreprises, parce qu'on est loin de ça. C'est vraiment de se dire, eh ben, on va se concentrer au lieu de la phase comptable du check-in, vraiment d'accès comptable, de facturation, eh ben, on va se focusser sur le service à la clientèle. Et donc, on aura des employés qui vont être focus là-dessus. Hein. Donc, on voit la transformation du poste de réceptionniste vers quelque chose qui est plus vraiment focusé au service à la clientèle. Alors, c'est des transformations qu'on voit présentement.
Alors, c'est sûr qu'on va être en pleine transformation, en pleine nouvelle modélisation de notre industrie. Il va falloir que l'industrie s'assoie, pense qu'on peut aller plus loin, mais c'est sûr qu'à court terme, eh ben, on développe des projets. On développe des projets de se dire, est-ce qu'on peut faire du partage de personnel entre entreprises, pas seulement entre industries touristiques, intersectorielles, parce que la compétition est forte. On est face à d'autres secteurs d'activité où la concurrence est là, où la pénurie de main-d'œuvre est là aussi. Est-ce qu'on peut, par exemple, aussi aller voir nos entreprises la polycompétence? La polycompétence, c'est quoi? C'est quelles compétences ont nos employés dans nos entreprises présentement? On leur donne 10 heures de travail présentement. Est-ce qu'on peut leur redonner notre 10 heures parce qu'ils sont bons dans les médias sociaux et ils vont s'occuper de nos médias sociaux dans notre entreprise présentement, particulièrement, et alors qu'ils peuvent faire des chambres en même temps? Alors, c'est de voir comment on peut jumeler ça. Alors, on est vraiment dans une transformation, François. Si là je pars, j'en ai pour une heure, alors je vais te laisser la parole. Mais c'est parfait, je vais te relancer de toute façon, mais tu soulèves différentes pistes de conversation qui sont très intéressantes en disant cette mise à profit des compétences multiples, le multitâche ou le poste qui est beaucoup plus hybride, ça aussi, c'est une nouvelle approche de l'organisation du travail où on avait une façon de travailler très description de poste, alors que là, on va être beaucoup plus dans cette fluidité-là. C'est des changements d'aptitude et de façon de gérer aussi pour les superviseurs. C'est des discussions à avoir avec les partenaires représentants des travailleurs. C'est la révision de conventions collectives ou de contrats de travail ou de façon de travailler. Donc, ça aussi, c'est un changement qui va s'imposer dans les entreprises. Je ne sais pas si dans vos organisations ou les gens avec qui vous côtoyez, vous commencez à voir à la fois la demande, parce que moi, dans mon réseau, j'entends beaucoup ça, les employeurs me parler de la volonté des travailleurs d'avoir plus de flexibilité, d'avoir plus de diversité d'emploi. Et on n'est pas habitué de concevoir des horaires ou des postes de cette façon-là. Avez-vous ce même genre d'écho-là en hôtellerie ou des échos sur le terrain? Quand je parlais tantôt que ça accélère tout le on est en processus accéléré. C'est des choses, André le disait tantôt, la pénurie de main-d'œuvre avait commencé avant, donc il y a des réflexions puis il y a des actions qui se posaient, mais là, tout est en accéléré. Puis, je le prends, mettons, juste par exemple au niveau de la TR, tantôt, j'aurais pu le mentionner, il va y avoir des opportunités d'emploi qu'il va y avoir au niveau du réseau des associations touristiques parce qu'on a dû se réorganiser comme niveau corporatif, nous autres. Juste chez nous, Tourisme Montérégie, il a fallu réduire l'équipe de moitié. Et là, il va se refaire un processus d'embauche au fil des mois, des années. Mais effectivement, c'est ce qu'on se rend compte, ça demande plus de souplesse dans nos organisations. Ça va le demander aussi au sein des entreprises. Puis je pense qu'en même temps, c'est une belle opportunité pour un travailleur ou une travailleuse de pouvoir faire des choses différentes dans sa journée, avoir plusieurs responsabilités. Surtout quand on est jeune, on touche, on budget à différents domaines, différents environnements de travail, c'est intéressant. D'ailleurs, tantôt, je vous écoutais parler. Moi, j'ai parlé en premier quand je me suis présenté. J'ai été court. Je sais que c'est parce que je suis beaucoup plus jeune que vous autres. Oui, j'ai moins élaboré sur mon expérience, mais... J'ai à peu près tout touché aussi dans l'industrie touristique. J'ai commencé comme plongeur à la Maison Otis à Baie-Saint-Paul, puis j'ai toujours œuvré, j'ai toujours aimé. Moi, j'ai un bac en économique, j'ai toujours aimé, j'ai regardé l'industrie touristique aller, puis j'avais des modèles, puis finalement, c'est ça qui m'a amené à m'impliquer de plus en plus, à m'engager. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Mais quand un gestionnaire va faire des chambres, quand un gestionnaire va faire de l'accueil, où moi, j'ai des gens sur mon conseil d'administration qui sont des directeurs d'hôtels puis sont obligés d'annuler des réunions parce qu'ils font des chambres. Évidemment, ça faut toute la chaîne au complet. Je ne parle pas de la chaîne d'hôtel, mais la chaîne de décision d'employés, de ressources humaines, va devoir se repenser pour avoir de la souplesse. Et quand le gestionnaire montre l'exemple, bien, je pense que ça facilite les choses par après. Oui, puis ça a peut-être cette opportunité-là, quand je posais, il y a l'envers de la médaille. T'sais. C'est prenant, puis c'est... à la limite dérangeant de le faire, mais si on est pour réorganiser le travail, de le revivre, c'est peut-être la bonne façon d'avoir cette capacité de perspective-là, puis de développer des compétences. David, je vais te revenir justement sur comment on fait en contexte de pénurie de main-d'œuvre, alors qu'on est appelé à faire des chambres ou à faire de l'accueil, de développer ces nouvelles compétences-là. Fait que je te reviens, je vais juste laisser André compléter sur la même question, dire...
que j'avais posée à Mario là, sur comment ça se vit, cette flexibilité-là. Est-ce qu'on voit des exemples? Est-ce qu'il y a des choses inspirantes? Bien, écoute, ce que j'aimerais partager dans le moment, si tu nous parlais un petit peu là, de conventions, de syndicats. Alors, évidemment, bon, c'est pas toutes les entreprises du tourisme là, qui ont un syndicat, mais bon, tout le monde a des contrats de travail ou à tout le moins les normes du travail. Alors, mon dernier emploi là, au Massif, évidemment, je travaillais avec des employés syndiqués. Le syndicat, puis là, je pense que c'est vraiment une question d'individu, là, puis je veux pas mettre de nom sur quel syndicat qui est mieux ou pas mieux, c'est pas ça la question. Je pense que les syndicats sont conscients qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre. Bon, évidemment, certains vont dire la solution facile, c'est bon, c'est parce que les salaires sont pas assez élevés, puis augmenter les salaires, puis vous allez en avoir du personnel. Bon, ça, je pense que c'est une réponse qui est un petit peu ordinaire, là, parce que c'est pas vrai, c'est pas juste une question de salaire, c'est une question de conditions de travail, c'est une question aussi de ce qu'on veut faire dans la vie. Tu sais, on peut avoir un job là à 75 $ de l'heure, mais ça nous tente-tu de la faire? Je pense que c'est ça que les jeunes devraient se poser comme question. Alors moi, mon expérience avec mon syndicat au Massif, c'est que ça a super bien été. Il était conscient qu'on vivait des problématiques. Parce qu'évidemment, quand tu as une convention collective, ça a l'encadre de ton recrutement, tes affichages de postes, etc. Alors, j'ai réussi vraiment à avoir une très, très belle collaboration avec les gens du syndicat sur place, de dire, écoutez, on veut offrir le service, on veut engager, on a de la difficulté, comment qu'on peut faire? Et leur réaction, ça a été de dire, regarde, on va simplifier les choses, on va accepter que vous... que c'est facile le recrutement un peu différemment, puis etc. La seule chose qu'on souhaite, c'est d'être informé puis d'être partie prenante de ces décisions-là. Alors moi, je pense qu'encore une fois, c'est toujours une question de gros bon sens. Je pense que nos syndicats d'employés sont là pour travailler avec nous. Je pense que dans un esprit de collaboration, il y a moyen d'y arriver. Dans le moment, là, je pense que ça fait l'actualité. Il y a certains hôtels là, qui sont en grève. Puis évidemment, quand il y a une grève, là, ben, c'est peut-être pas nécessairement le moment là de revoir des grands pans de notre industrie, pis etc. Mais je pense que ça va se régler. Ça peut pas faire autrement. Et après ça, ben là, on va pouvoir construire ensemble. Mais moi, ce que je dis, le message que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les syndicats font partie de la solution. Là, pour que ce soit syndiqué ou pas, les employés doivent être partie prenante des solutions qui s'en viennent. Parce qu'il va falloir en faire des changements. On en parle depuis une trentaine de minutes. Là, va falloir changer des choses polycompétence. Écoutez, soit poly, bon, je pense qu'effectivement là, c'est un beau mot, la polycompétence. Va falloir se prendre des employés qui vont être capables de toucher un petit peu à tout, puis qui vont accepter de le faire. Puis là, encore une fois, quand je ramène ça dans un cadre, puis tu l'as dit François, dans un cadre syndical. Ou ce que tu es engagé pour comme cuisinier, ben c'est évident que dans ta description de tâche, tu n'auras pas à faire des chambres, tu n'auras pas à accueillir des clients, puis tu n'auras pas à faire autre chose que ta cuisine. Mais là, je pense que c'est ça qu'il va falloir voir là, si on veut développer la polycompétence. Mais j'aime le commentaire, André, puis tu as raison, Xavier, tu me corrigeras, mais c'est à peu près entre 10 et 15 % des employés en tourisme au Québec 10%. Qui sont dans un environnement syndiqué. Mais je retiens ton message en disant cette réflexion-là, elle devra impliquer les travailleurs. À travers les partenaires représentants des travailleurs, mais en général, en étant capable de s'asseoir avec nos équipes pour trouver ensemble ces nouvelles solutions-là puis des compromis acceptables. Et ça amènera un autre défi. C'est-à-dire, ce poste multi-hybride, là, ce poste multi-compétences, multitâches, il va devenir quand même difficile à promouvoir ou à expliquer à un futur travailleur. Parce que ça va être on est habitué de concevoir ou de comprendre une opportunité d'emploi sur une description relativement simple. Donc, nous, on aura peut-être à trouver comme industrie comment on est capable d'offrir cette diversité-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on va être attractif pour certains travailleurs de dire c'est l'industrie des multitâches. Tu sais, ça sera pas ennuyeux, ça sera pas routinier. Fait que ça va peut-être nous aider. Xavier, tu peux compléter sur la même question, puis après ça, je t'invite à enchaîner. Je te disais, développer cette capacité-là comme gestionnaire, quand on a les derniers 10-15 ans d'expérience d'une gestion plus traditionnelle et on arrivait dans cette mouvance-là,
Comment tu vois ça, d'être capable d'accompagner CQRHT, entre autres, le développement de ces nouvelles compétences et approches-là, alors que les gestionnaires n'ont pas de disponibilité ou peut-être pas une assez grande culture de formation continue? Alors, je vais repartir un petit peu depuis le début. Juste vous dire que les syndicats, pour terminer avec ça, notre comité sectoriel de main-d'œuvre, le CQRHT, on est 5 représentés, 50% la partie syndicale, 50% la partie employeur. Donc, il y a la conversation se passe avec les syndicats au sein de notre comité sectoriel de main-d'œuvre et les échanges sont très productifs et sont très bons. Et on voit effectivement des avancées. Je veux juste rappeler aussi, on parlait tout à l'heure des salaires. Je regardais une émission évidemment en France où l'UNMI, qui est l'Union des métiers de l'hôtellerie, qui est le syndicat des entrepreneurs, des employeurs en France, ont décidé de dire on va augmenter de 9% les salaires de l'industrie touristique et puis on va demander à ce qu'il y ait au moins un week-end par mois de congé pour les employés. Ils sont allés rencontrer les employés, ils ont fait des interviews et ce qui est ressorti à chaque fois, ce n'était pas le salaire. Là, le salaire, c'était oh, c'est juste 9%. Ce qui les intéressait, c'était le week-end, là. C'était la fin de semaine par mois, c'était les conditions d'emploi. C'était l'arrimage avec la famille. Alors, c'est ça qui les intéressait plus qu'autre chose que le salaire. Alors, oui, le salaire, mais je pense que le débat n'est pas là. Et puis, c'est vraiment, je l'ai eu en plein visage, encore une fois, la démonstration était probante. C'est pas ça. Concernant l'accompagnement des entrepreneurs dans la transformation et puis aussi dans comment on va amener ces gens-là à accueillir cette différence compétences, c'est de l'accompagnement des entrepreneurs. Nous, au CQRHT, c'est sûr, on fait de la formation auprès des entrepreneurs pour les accompagner dans cette transformation-là, pour voir les nouvelles tendances, pour voir ce qui se fait en ressources humaines. Puis il faut le savoir, hein, 75% ou 80% de notre secteur d'activité au Québec, c'est des petites entreprises, des très petites entreprises. Ce n'est pas tous des grosses bannières, ce n'est pas tous des Marriott, des Sheraton, etc. Ce n'est pas ça. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagnement pour notre secteur d'activité, d'indépendants, pour aller vers cette transformation-là. Et puis, vous savez, on suit les tendances. Hein. Je me souviens, quand je suis arrivé chez Marriott, il y a un petit bout de temps, on faisait ce qu'on appelle du cross-training. C'est-à-dire qu'on arrivait là et puis on allait pendant 6 mois dans tous les postes de l'établissement hôtelier pour voir qu'est-ce qui se passait dans chaque poste d'établissement hôtelier. Donc, on commençait à voir qu'on allait voir différentes compétences. Puis, on allait s'orienter après vers la compétence qu'on préfère. Mais là, effectivement, on est rendu là maintenant, on est rendu dans ce schéma-là, et puis vraiment, c'est d'accompagner au mieux nos entreprises à prendre ce virage-là. Alors, comment on le fait? On le fait par des formations, on le fait aussi par la formation initiale. Est-ce qu'on peut, par exemple, amener du temps de travail, c'est-à-dire d'avoir nos étudiants 2 semaines, par exemple, en emploi, puis 2 semaines à l'école? Donc ça, c'est important, tout ce qui est travail-école, travail-école, travail-école. Un, ça pourrait générer des employés et des gens dans notre secteur d'activité. Et en plus de ça, ça va aussi amener de la compétence professionnelle et surtout un attachement entre le milieu d'éducation et nos entreprises. Bien souvent, on voyait une distance entre les programmes, entre les entreprises et puis l'école. Alors ce rapprochement doit être encore plus important que jamais présentement. Et ça, j'y crois énormément. L'alternance emploi-école, j'y crois énormément. C'est, à mon avis, c'est une des solutions pour aider notre secteur d'activité. Oui, puis c'est un des impacts, probablement. Puis j'ai hâte, tout à l'heure, on va échanger avec professeurs et étudiants. C'est les attentes qu'on aura sur ces gestionnaires-là qui arrivent. Tu mentionnais, là, puis c'est majoritairement démographique et mondial, ce creux de vague de disponibilité de main-d'œuvre. On va avoir besoin de cette aide-là. Puis si on attendait d'eux qui soient très, très connaissants des opérations, on va probablement attendre d'eux qui aient développé un peu plus de compétences en gestion d'équipe parce qu'ils vont être nos complices pour relever ce défi-là. C'est tout à fait exact. Et puis, la gestion d'équipe va être différente. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités. C'est encore un secret bien gardé. Je vous le demande à le partager d'ailleurs à vos collègues et vos amis parce qu'on a besoin de monde dans notre secteur d'activité. La formation initiale, le travail qui s'en vient. Puis c'est le fun, là, parce que vous avez de la chance. On est dans de la transformation. Moi, à votre âge, là, je capoterais, là, des nouveaux métiers vont arriver, des nouveaux métiers vont s'ouvrir avec des choses qu'on ne touchait pas avant. Alors, franchement, là,
J'invite tout le monde à regarder ça avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on est surtout dans le négatisme. Il manque du monde, on n'y arrive pas. Mais c'est pour ça qu'il faut basculer à une discussion de solution aussi. C'est l'enfer. Oui, ça l'est. Mais comment on tourne ça en avantage? Exact. Et ça, il faut envoyer ce message-là extrêmement positif parce qu'il faut être attractif dans notre industrie. Et faut, oui, on a des enjeux, mais il faut vraiment ralentir ce message-là. Alors, transformons ça en opportunité. Hein. Mario, tu voulais réagir à ça? Bien, oui, puis ça me fait penser, parce qu'on parle aussi des grandes entreprises, là, comme gestionnaires, puis tout ça, mais aussi, moi, j'ai évolué beaucoup dans un environnement de petites entreprises, notamment quand j'étais sur la Côte-Nord. Puis, il y a une opportunité aussi, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Xavier, il faut virer ça positif, parce qu'on n'est pas en situation de chômage, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Vous avez plein d'ouvertures, plein d'opportunités, puis le marché du travail, puis l'industrie va s'adapter. Mais c'est toute la question de la relève en entreprise. Il y a des belles opportunités, puis moi, j'en connais, là, des propriétaires d'entreprises touristiques qui, dans quelques années, même là, veulent vendre. Puis, il y a beaucoup de soutien pour la relève en entreprise. C'est des belles opportunités pour vous autres de vous démarrer, de vous lancer dans l'industrie touristique. Et c'est une belle opportunité pour les entrepreneurs qui veulent vendre aussi. Et ça, il y en a partout à travers la province. Et pour nous autres, c'est un défi aussi parce que ces entreprises-là, il faut les garder. Puis, il y a des gestionnaires, il y a des propriétaires qui sont fatigués, sont épuisés parce que ça épuise aussi. Là. Ça, c'est l'aspect négatif. Mais en même temps, c'est que c'est des belles opportunités pour vous autres d'apprentissage. Ça, la relève en entreprise peut se faire aussi sur plusieurs années, puis ça se prépare. Fait que la formation se fait de cette façon-là aussi. Fait qu'on le pense en tant que travailleur, mais on peut le penser aussi en tant qu'entrepreneur. J'aimerais ça rebondir, Xavier, sur l'exemple que tu donnais, le modèle européen, de dire il y a à la fois le défi de recrutement, parce qu'on sent le manque, là, qu'on a beaucoup le goût d'aller là, puis il y a aussi le défi de rétention. T'sais, il va falloir qu'on retienne ceux qui sont déjà là, puis qui sont actuellement nos complices là, de cette crise-là qui a été accentuée par le contexte de pandémie et les programmes. Avez-vous des exemples? Je vois qu'André a levé la main. Tu pourras compléter sur l'élément, mais je vais te relancer sur celle-là. Il disait, est-ce qu'il y a des stratégies très, très concrètes que vous avez observées là, de rétention et, ou de recrutement qui font, là, déjà, ça marche, c'est des embryons d'idées ou de pistes à explorer? C'est à moi que tu t'adresses, François, oui? Ben oui. T'as levé la petite main jaune, là? Oui, oui, je levais la main, mais je ne voulais pas interrompre mes savants collègues. Écoutez, juste rebondir un peu sur ce que Xavier disait. Effectivement, je pense que le travail, l'étude et travail, je pense qu'effectivement, c'est une des solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, ça va obliger plein de choses. Évidemment, nos amis, les professeurs, puis les éditions d'enseignement vont devoir revoir un peu leur façon de faire, etc. Mais aussi en industrie, un nouveau qui arrive, qui commence là-dedans, qui a eu 3-4 mois de formation, puis qui commence à travailler dans l'industrie directement, bien, ça fait en sorte que ses collègues vont devoir l'encadrer. Donc, les collègues vont devenir un peu des coachs pour supporter la formation. Là, évidemment, ça... Je vous rappelle tout le monde, là, quand tu vis une situation de rush dans un restaurant un soir où tu as 100 clients qui arrivent en même temps, la formation, là, c'est un peu difficile. Alors ça, c'est une vraie réalité, mais je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Je pense que c'est une des solutions pour passer à travers cette pénurie de main-d'œuvre-là, c'est de vraiment partir de la base et de travailler avec nos écoles de formation. Puis je pense que pour les jeunes qui vont commencer, ça va être super intéressant parce que, un, financièrement, ils vont pouvoir faire des sous là, pendant qu'ils étudient. Puis deux, bien, ça va aider les entreprises. Mais ça, c'est une des solutions. Je pense que le problème de pénurie de main-d'œuvre, là, il n'y a personne qui a une baguette magique puis qui va trouver une solution qui va tout régler. La formation, le travail en entreprise, c'en est une. Il y a évidemment l'immigration, il y a la fiscalité, il y a plein de choses qu'il va falloir mettre en place si on veut passer à travers cette crise-là. Donc, tu es en train de nous parler de polysolutions. Bien, écoutez, après la polycompétence, je trouvais que c'était approprié. Mais je te relance justement sur le fait que ça va prendre dans le tout un panier de solutions au niveau du... Je te relance sur ma question sur les stratégies de recrutement ou les stratégies de rétention. Xavier disait ça va beaucoup se passer dans les conditions de travail parce que, oui, il y a une pression salariale. Je pense que déjà beaucoup se sont ajustés. Je pense que l'augmentation salariale vient aussi avec l'augmentation des tarifs, la compétitivité, puis la volonté de payer du consommateur. Si
si la croissance est trop rapide, on va perdre du marché. Donc, il y aura une progression, c'est un peu inévitable, on le constate, mais si ce n'est pas que ça, la rétention, ce n'est pas que ça, l'attractivité, avez-vous vu récemment des bons exemples de façons de faire ou des pistes très personnelles, dites-moi, j'explorerais tel élément pour un peu dire, bien, ces nouveaux gestionnaires qui s'en viennent là, bien, préparez-vous, on aura besoin de penser différemment puis de faire différemment. Si je peux continuer, écoute, c'est un très, très bon point. Je pense que vous aviez le mentionné. Bon, le salaire, c'est une chose, puis effectivement, je pense que c'est déjà en train de s'ajuster parce que les entreprises n'ont pas le choix. Par contre, la capacité de payer des clients, c'est toujours ça, hein? Parce que là, tu as parlé de consommateurs, François, puis je pense qu'il ne faudra jamais l'oublier. Tu sais, tantôt, on parlait de changer les processus. Je pense que la clientèle, il faut qu'elle soit capable de suivre, il faut qu'elle continue d'avoir une expérience intéressante. Quand on part en voyage ou en week-end, etc., on veut vivre une expérience intéressante, on est prêt à payer un certain montant, on a un budget, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'expérience, il faut qu'elle soit positive, peu importe où tu vas. Alors ça, c'est un bel enjeu. Alors, les nouveaux gestionnaires qui vont arriver ou ceux qui sont déjà en place, je pense que si on parle de rétention, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est reconnaissance. Je pense qu'un employé, peu importe lequel, peu importe où ce que tu travailles, de recevoir des gestes de reconnaissance de son employeur, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont rester dans l'entreprise. Et là, ben, c'est libre à chacun des employeurs de mettre en place des choses. Moi, j'ai vu des organisations, par exemple, quand j'étais au Massif, une organisation qui n'est pas nécessairement dans le milieu touristique, là, mais elle s'est acheté un chalet, puis elle offrait des week-ends de ski à ses employés en alternance, mais les employés, ça faisait partie de leurs conditions de travail. Ils savaient là, qu'une fin de semaine durant l'hiver, là, ils allaient faire du ski au Massif aux frais de l'employeur. Et ça, ben, je pense que ça prouvait la reconnaissance de l'employeur à ses employés et ça faisait en sorte que ces employés-là étaient contents de travailler. Alors moi, le mot magique, là, reconnaissance, puis tout de suite après la reconnaissance, ben mobilisation. Puis si on veut mobiliser les employés, ben encore une fois, je pense que la reconnaissance est un bel outil pour garder nos gens là avec nous. Je relance Mario, mais j'entends quand on disait développer des nouvelles compétences ou des nouveaux réflexes de gestion, on n'aura pas l'économie, comme tu mentionnes, d'avoir ces comportements-là. Entends-tu les mêmes échos sur le terrain de ton côté, Mario? Oui, puis quand tu parlais de solutions, là, plus au niveau régional, je ne sais pas quelle région l'a déjà tenté ou nous autres, on y réfléchit, là, mais tu sais, parmi les entreprises touristiques, les employés pourraient aller visiter ou passer une journée, par exemple, au parc safari, puis soit un rabais ou une entrée gratuite, puis après ça, bon, l'employé du parc safari pourrait aller visiter le musée ferroviaire, par exemple. Tu sais, il y a ce genre d'échange-là qui fait en sorte que ça devient des avantages. Puis pour, habituellement, quand on travaille en tourisme, on aime visiter, on aime découvrir. Fait que ça devient aussi certains avantages que comme une région, comme une organisation, comme la nôtre, c'est une initiative que l'on pourrait mettre en œuvre, qu'on pourrait faire avancer. Comme j'ai dit, ça s'est déjà fait. Je sais pas, j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas quelle région, mais je ne veux pas m'approprier l'idée des autres. Mais c'est le genre d'exemple là, qu'on pourrait faire aussi qui aiderait. Puis, comme André le disait, c'est un ensemble de mesures qui va faire en sorte que ça va faire une différence. Hein. Non, j'aime ça comme piste en disant comment les volets qui font de nous une industrie attractive, on est capable de les formaliser ou les structurer un peu plus pour en faire des vrais avantages. Je sais que Xavier, il y a eu une étude qui a été faite, peut-être ça fait 2-3 ans, on sait qu'il a racheté. Là. On a travaillé là-dessus sur qu'est-ce qui faisait une plus grande différence dans l'intérêt au travail ou dans le retour au travail dans notre secteur. Puis ces éléments-là ressortaient en disant que ce n'était pas que le salaire. Non, ce n'était pas que le salaire, c'était le fun qu'on avait aussi avec ses collègues de travail qui ressortaient. Oui. Vraiment, le plaisir, parce que vous savez, comme André le disait, on reçoit 100 personnes, c'est le coup de feu dans un restaurant. Les employés sont extrêmement soudés. Mais à la fin, on se retrouve tous avec une bière et puis à se raconter la soirée qu'on a eue. Alors, c'est ça aussi le secteur d'activité touristique, là. C'est ce volet-là, vraiment, d'être ensemble. Mais il y a des bonnes pratiques. Et puis, ce que, dont tu parles, Mario, je m'en souviens très bien. À Montréal, on le faisait. J'étais employé à Montréal. Et puis, on avait, pendant 30 jours, la possibilité d'aller visiter gratuitement des musées, d'aller au parc safari. Et moi, j'y allais avec ma petite famille. C'était pour Kat et pour toute la famille au complet. Puis on devenait des ambassadeurs de la destination en même temps parce qu'on apprenait à connaître.
les endroits. Alors ça, oui, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Il faut stimuler l'industrie touristique, effectivement, et puis avec des outils comme ça, et puis de dire, ben oui, on pourrait peut-être faire des avantages pour les employés de l'industrie touristique. Ceci dit, intra-entreprise, des bons coûts, on le voit. C'est surtout dans la flexibilité du temps de travail. On a un secteur où on peut avoir beaucoup de flexibilité dans le temps de travail, des journées de temps de travail. Alors ça, on est plus agile là-dedans. Comme je parlais tout à l'heure, il y a des entreprises déjà qui font une rotation avec les fins de semaine pour pouvoir donner des fins de semaine à des employés. Ça existe déjà et ça, c'est vraiment en demande. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui se fait présentement. Ce qui est aussi important à noter, c'est dans le développement aussi des compétences intra-entreprises, on a effectivement la rétention de nos employés. Puis ces employés-là, ils sont à un certain niveau, il faut les amener à un autre niveau. Donc une façon de les récompenser, c'est de les accompagner en termes de formation et de les amener à un niveau supérieur. Mais c'est aussi la reconnaissance des acquis. Alors ça aussi, c'est important de reconnaître, ne serait-ce par une certification, une diplomation, les acquis qu'ont ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances et peuvent les transmettre à l'intérieur. Puis des fois, on peut avoir des très bons moniteurs en entreprise qui vont pouvoir former la relève. Alors ça aussi, c'est un point. Alors on voit quand même, mis à part le salaire, beaucoup de choses. On le voyait avant la pandémie, puis on a tout à fait raison, André, la pandémie a exacerbé l'enjeu. Mais si je me souviens bien, avant la pandémie, on voyait des restaurateurs qu'envoyaient à Cuba à leurs employés pendant une semaine. Souvenez-vous de ça, là. Ça semble loin, mais on était là encore, on était déjà là. Donc j'ai des hôteliers que je connais qui ferment leur hôtel pendant une semaine présentement pour dire, regarde, on met toujours en congé, je vous envoie à tel endroit. Et puis, au lieu d'aller à Cuba, je vous envoie dans le beau Charlevoix. Peut-être au Club Med, on verra. C'est beau, la Montérégie aussi. C'est la Montérégie. Ben oui, Montérégie. C'est ben oui. Excuse-moi, Mario. On va les accueillir, Xavier. Il n'y a aucun problème. Donc, on voit ce genre de choses-là, mais il faut aller plus profond que ça. Il faut mieux l'encadrer, mieux le structurer. Voilà. Il ne faut pas qu'on aille par des coups par coups. Alors, c'est ça pour ça que le milieu doit se prendre en main, pour mieux structurer ces approches-là. Alors oui, le secteur d'activité est en transformation. À mon avis, ça va se faire. On va avoir des courts, moyens, long terme. L'alternance, ce n'est pas uniquement la solution. On travaille sur les permis de travailleurs temporaires étrangers. On travaille sur les gens qui sont d'expérience, les retraités, qu'on va peut-être pouvoir former aussi un petit peu pour les ramener dans notre secteur d'activité. Donc on travaille sur tous les types de clientèle, les personnes handicapées aussi. Les ramener dans notre secteur d'activité. Ça peut être aussi bien les autistes, etc. Donc nous, aussi que racheter, on vise ce type de clientèle-là aussi qui peut être extrêmement porteur et important. Ce qu'on voit aussi, on parle souvent de développement durable. Je veux vous conscientiser, dans le développement durable, il y a le social, il y a l'humain qui est au cœur. D'accord ? Donc c'est important, et puis pour les jeunes, là, et puis même pour moi maintenant, c'est quelque chose d'important dans les entreprises. Alors, les entreprises doivent se coller aussi à la demande de nos employés, à la demande sociétale, et puis d'être vraiment connectées sur ce développement durable-là, que aussi le social, et puis de voir que nos employés sont au cœur de l'industrie, et puis de répondre à cette demande-là. En gros, voilà. Non, élément important durable, je vais y revenir. Tout à l'heure, on va parler un peu de l'évolution ou le rôle des maisons d'enseignement, puis nos attentes envers la relève. Je pense qu'on a conjointement cette responsabilité-là, de faire en sorte que ça soit de plus en plus vrai, que c'est une entreprise, que c'est une industrie avec une culture une préoccupation de développement durable, puis que la relève qui arrive soit préparée à venir nous aider, parce qu'on est tous c'est nouveau, on a fait tout au premier pas, mais on aura besoin aussi d'aide à ce niveau-là. Je me permets 2 minutes de remettre le chapeau Événement Attraction Québec, de dire, moi, ce que je constatais là, dans rétention puis dans recrutement, on m'a beaucoup parlé cette année de toute la stratégie d'accueil et d'intégration. Puis un des défis qu'on a, c'est qu'on a l'habitude d'une routine. On recrute massivement, surtout nos emplois étudiants saisonniers où on est habitué de recruter. Là, il va falloir commencer à le faire plus hâtivement. La compétition est forte. Mais là, on comprend de plus en plus qu'on est en formation en continu. J'ai beaucoup de grandes attractions qui m'ont parlé de formaliser une deuxième vague d'embauche. Donc, ils comprennent qu'il y aura des départs en cours de saison. Donc, si on veut pas finir essoufflé avec des pénuries de main-d'œuvre, pas de main-d'œuvre, mais d'employés en fin de saison, il
Il va maintenant falloir réfléchir à avoir des deuxièmes vagues d'embauche pour avoir les étudiants qui ont peut-être, au début de l'été, fait d'autres choix, mais maintenant viendraient compléter leur saison parce que peut-être le premier choix qu'ils ont fait pour un touriste, c'était pas le fun, puis là, ils ont envie d'avoir une belle expérience de travail. Donc, ça change aussi nos pratiques et ça change toute la pratique d'intégration. On était habitué de recevoir le groupe d'employés, de lui donner une formation, puis après ça, on les laissait aller pour la saison avec un peu de suivi. Bien, si nos employeurs, ils vont en continu, comment on fait ça? Comment on crée cet esprit de corps et de groupe? Xavier, tu le soulignais bien. Je parlais avec la PDG de la Ronde encore récemment, puis elle dit, l'argument premier qui vient spontanément, même pas de nous, des jeunes qui travaillent, c'est d'être dans le groupe. Il se fait une espèce d'esprit d'équipe. C'est ta gang d'été, ils sortent ensemble, ils fêtent ensemble, ils travaillent ensemble. Mais quand il y a beaucoup de rotation, comment on consolide ça? Donc, ça amène des nouveaux défis de gestion, ça amène des nouvelles façons de faire, mais ça demande des ajustements. Puis on aura besoin, tout le monde, de se partager nos bons trucs et nos bonnes pratiques pour rapidement devenir compétitif. Puis tu soulignes un élément important, Xavier, dire ces petites initiatives-là, comment on fait pour qu'elles se structurent, pour qu'elles deviennent signatures d'industrie? Parce qu'on a encore besoin d'être capable de dire le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration est attirant parce que, mais plus on aura actuellement d'expérimentation, pendant un moment, on va être morcelé. On ne pourra pas dire en général, c'est comme ça, et que l'employé trouve la réponse à cette promesse-là, indépendamment de son choix d'employeur. Donc, on est dans cette période-là où on a besoin d'être très, très sur le qui-vive, d'être très branché. Défi pour les enseignants en disant, vous nous préparez cette relève de gestion-là. Comment on va avoir des mécanismes? Xavier, tu parlais beaucoup de ce lien-là entre milieu de travail, puis là, on est dans les structures de programmes, façon de faire. D'ailleurs, ça fait déjà 2-3 ans, Collège La Salle sont là-dessus, cette approche un peu plus nouveau programme travail-études. Mais il y a un beau défi pour les enseignants aussi. Pour nous, comme industrie, est-ce qu'on reste en contact puis qu'on échange sur des pratiques qui évoluent la relève, qu'on est en train d'expérimenter ça? Donc, ça, c'est des éléments que j'entendais beaucoup. Recrutement plus hâtif, recrutement fait différemment, plus interactif. J'entends beaucoup plus impliquer les employés qui seront de retour ou permanents dans le processus d'embauche des nouveaux employés. Il y a quelque chose d'engageant dans la fidélisation et dans la rétention de dire, mon Dieu, j'ai un rôle, mon supérieur m'implique dans la sélection de mon futur collègue. C'est des choses qu'on voyait peu, dont on me parle de plus en plus souvent. Du recrutement de groupe pour aller rapidement. Le processus d'entrevue est trop long. Il y a tellement de choix qu'un candidat dépose sa candidature. Le temps que vous fassiez le filtre, l'appel, la première entrevue, deuxième entrevue, il est placé ailleurs, là. Donc, il faut être beaucoup plus réactif. Puis souvent, la façon d'aller chercher des profils, c'est de dire, bien, parfait, j'ai réuni les 3 CV que j'ai eu aujourd'hui, je les mets en appel conjoint, puis j'essaie de voir laquelle personnalité me plaît, parce que c'est ça qui... Le savoir-être parle aussi fort que le CV sur le savoir-faire. Donc, c'est des nouvelles pratiques, moi, qu'on me témoigne beaucoup, je trouve ça intéressant. Puis développer cette capacité-là, on était très bon dans le... Historiquement, je veux voir le candidat. Bien, la pandémie nous oblige à apprendre à faire de l'entrevue virtuelle. Puis c'est pas aussi facile de décoder quelqu'un à travers un écran qu'en personne. Fait que ça fait partie des compétences que, moi, dans mon secteur, on entend beaucoup. J'irai sur ce volet-là. Dans notre discussion, c'est important. On est invité par une maison d'enseignement. Elle la prépare, cette relève-là, depuis longtemps. Il y a de nombreux diplômés de La Salle un peu partout avec nous dans l'industrie, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Avant qu'on aille vers eux puis qu'ils puissent réagir, vous poser des questions, moi, j'aimerais ça vous relancer à vous trois la question en disant, bien, quand vous pensez à ces partenaires-là puis vous les côtoyez, les écoles un peu partout au Québec, comment vous voyez, de votre point de vue, le défi? Puis on aura leur point de vue par la suite. Qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, les maisons d'enseignement? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter qu'il y ait comme évolution, changement, partenariat? Déjà, André, t'en parlais un peu tout à l'heure là, sur la collaboration ou la disponibilité. As-tu d'autres pistes ou d'autres commentaires qui te viennent? Je te donne un exemple que j'ai entendu, c'est on a besoin de nos étudiants à des moments stratégiques. Est-ce que le calendrier d'enseignement d'un collège ne pourrait pas tenir compte du moment où on aimerait que les étudiants soient disponibles parce que c'est une journée fériée, parce que c'est une... Donc, où est-ce qu'on va mettre la pédagogique puis où est-ce qu'on va mettre la journée sans classe parce qu'on aimerait ça qu'ils soient libres de travailler ces journées-là. As-tu d'autres exemples qui te viennent sur comment on peut être encore meilleur partenaire avec les maisons d'enseignement?
Bien, je pense que tu amènes un bon point, le calendrier scolaire. Bien, ça, je pense que c'est un sujet qu'on discute depuis de nombreuses années. Là. Je parle de plus de 10 ans qu'on parle de ça, le calendrier scolaire. Alors, je pense que ce serait pas très, très compliqué à organiser, mais mon Dieu, que ça a l'air une grosse, grosse montagne. Là. Alors, bon, enfin, bref, là, je ne m'attarderai pas là-dessus. Là, mais André, ça... je vais te donner l'exemple. C'est un prof qui me l'a témoigné dans une autre école. En disant, j'ai été surpris, j'ai reçu mon horaire d'enseignement pour la session. J'ai un cours le vendredi après-midi avec des étudiants. Ouais. Dis-moi, dans ma tête, à moi, on ne devrait pas enseigner le vendredi après-midi parce que les étudiants devraient être disponibles pour travailler. Parce que le week-end se prépare, parce que... J'étais surpris que ma maison d'enseignement ait placé une période de classe là. Fait que ça, sans changer le grand calendrier scolaire, est-ce qu'il y a des moments stratégiques où, quand on bâtit l'horaire d'une session, on devrait avoir des réflexes? Non, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Ça fait partie du gros bon sens. Mais bon, moi, ce que j'ai, c'est cette problématique-là que le calendrier scolaire elle existe depuis très longtemps, que les universitaires terminent leur session à la mi-avril. On sait que nous, la grosse saison touristique va commencer. Elle commence d'ailleurs un peu plus tard. Là, l'été s'est tassé là, avec l'environnement. Là. Donc, 15 avril, on n'a pas tant des besoins que ça. Mais par contre, le 15 août, quand ils retournent à l'école, on est en pleine saison touristique. Ouais. Alors là, ils y requittent pour leur université ou etc., ou même les collèges aussi. Alors, oui, ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le calendrier. Je pense qu'à même le calendrier, tu as tout à fait raison. Pourquoi le vendredi, que c'est pas une journée où, effectivement, il n'y aurait pas de cours? Parce que on sait que ça fait partie des journées achalandées là, du week-end. Puis ça donnerait l'opportunité aux employés, aux étudiants d'aller travailler. Encore une fois, ce que Xavier a dit tantôt, si on travaille maintenant avec un concept là, de travail-étude, ben là, je pense que ça pourrait faire partie de l'organisation du travail là, tout le temps. Puis pour répondre à ta question aussi au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les professeurs, ben je pense que les professeurs sont plus en plus des gens qui ont œuvré dans l'industrie, qui ont donc toute cette compétence-là. Mais ils sont peut-être en enseignement depuis longtemps. Puis là, ben, je pense que pour eux, faut qu'ils se tiennent au courant. Donc, faut qu'on développe le système de communication qui comprenne les nouvelles réalités. Parce qu'évidemment, quand tu pars de l'industrie pour aller enseigner, tu arrives avec ton bagage, mais tu arrives avec ton bagage de ce que tu as connu. Puis là, ben écoutez, les changements, ils arrivent à vitesse grand V, là. Puis c'est pas fini. Alors, je pense qu'il faut absolument que les écoles et évidemment les enseignants soit au fait des nouvelles réalités qu'on vit dans l'industrie, parce que comme ça, ils vont pouvoir, un, être des meilleurs partenaires et collaborateurs avec les employeurs, mais ils vont aussi donner l'heure juste à leurs étudiants et ainsi même mieux les préparer à rentrer dans le marché du travail. Merci, Mario. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Naturellement, il y a la structure des cours, on en a parlé. On peut aussi aller dans les contenus de certains cours ou dans d'autres aspects de la collaboration ou du partenariat. Ben, tu sais, moi, effectivement, le calendrier, je pense que ça va être un dossier, une discussion qui, je pense, n'est pas prêt de se terminer. Là. Mais moi, quand j'étais sur la Côte-Nord, j'aurais aimé ça. Je réfléchis en même temps que je fais ça ici ce matin. J'aurais aimé ça avoir plus de contact avec les institutions d'enseignement qui forment des étudiants en tourisme. Parce qu'il y a des opportunités, mais on est loin, quand tu es en région, là, je pense à mes collègues des régions, sont loin du bassin de population que vous pouvez former ou que vous pouvez représenter. C'est que probablement des maillages à faire avec les organisations dans les régions pour déployer un peu cette main-d'œuvre-là sur l'ensemble du territoire. Puis on parle aujourd'hui, on a parlé de grandes entreprises, mais il y a beaucoup de petites entreprises que le processus de sélection n'est pas très complexe. Hein? C'est vous vous présentez, puis la décision se prend assez rapidement. Ouais. Puis il y a des belles opportunités de ce côté-là aussi. Puis là, c'est là qu'on va toucher un ensemble. Il y a ça aussi. Puis je le comprends. Hein? Les collèges ont leurs contraintes. Puis, mais je pense qu'il y a une opportunité là, de mieux déployer l'offre là, sur l'ensemble du territoire. Oui, bien, tu ramènes, il y a un lien à faire en disant, si vous allez en petite entreprise, le multitâche, il est d'une évidence, mais votre capacité d'avoir un impact 360 dans l'ensemble de l'organisation, il est aussi hyper stimulant. Puis, ça ramène à la piste ceux d'entre vous qui auront un intérêt pour du reprenariat ou de l'entrepreneurship, bien, d'aller travailler avec un entrepreneur qui gère sa petite auberge ou son petit site touristique
et que par défaut est obligé d'être multicompétence parce qu'il ne peut pas avoir un directeur de ressources humaines puis un comptable à temps plein, etc. Donc, il fait de tout. C'est des belles écoles de vie aussi là, en début de carrière. Puis ça fait un stage où tu fais ton stage pendant quelques années. Tu peux travailler avec l'entrepreneur, le vendeur. Lui, te forme, puis graduellement, tu reprends la... Ouais. C'est un bel apprentissage. Ouais, il y a quelque chose à dire. Est-ce qu'on est assez bon à préparer les étudiants pour les régions et la petite entreprise? Beau sujet de conversation avec nos partenaires pour les prochaines semaines. Xavier, Maison d'enseignement, le lien avec nous? Oui. Ben moi, je pense que... On a la chance d'avoir des VRP de l'industrie touristique avec nos enseignants. Je pense que c'est des gens qui ont le temps en plus d'avoir des centres d'expertise, d'analyser ce qui s'en vient, de voir les nouvelles tendances, d'appliquer ça auprès des étudiants et de créer vraiment le lien fort avec les entreprises. Et puis aussi, ce que je me dis, c'est... on a des gens qui peuvent contaminer les autres secteurs, des autres secteurs d'activité, les autres élèves qui sont sur les bancs d'école pour aller vendre notre secteur d'activité à ces étudiants-là. Quand je me suis retrouvé, avant la pandémie, j'étais avec mon collègue de la RQ, on était avec les orienteurs de fin de secondaire pour l'orientation des jeunes, puis on proposait les métiers et je suis arrivé là. Et je leur ai montré la campagne de promotion de Québec original à l'étranger, avec les beaux paysages. Ils étaient tous là, waouh, que c'est beau. Et là, je leur ai dit, vous savez quoi? Eh bien, si vous voulez y aller, on va avoir besoin de monde. Et du coup, eh ben, dites à tous vos étudiants de venir dans notre secteur d'activité. Et même s'ils sont dans des échanges et que ce qu'on vit sur le terrain vous soit transmis, vous aussi, professeurs et puis enseignants pour pouvoir justement bien appliquer ce qui se passe sur le terrain. Puis surtout l'agilité, la flexibilité. Et arrêtons les changements de programme tous les 7 ans, là, s'il vous plaît. Là. On peut-tu arrêter ça? Parce que 7 ans, c'est une éternité de nos jours, ces temps-là. Alors on doit vraiment être là-dedans, là, de se dire ben, on s'ajuste en fonction de ce qui se passe présentement. Ouais, dans un milieu qui évolue rapidement. Ben oui, il faut aller vite. Je pense que les professeurs sont capables d'ajuster les contenus sans que le cadre du programme change, mais oui. ça demeure un défi. Je ne sais pas si c'est... je pense que la collaboration maison d'enseignement CQRHT va passer à un autre niveau également. Elle est déjà à un bon niveau. Elle va passer aussi à un niveau supérieur, effectivement. On a même créé un poste enseignant, ouais. Enseignement au sein de notre conseil d'administration du CQRHT qui n'existait pas. Volonté de travailler avec les maisons d'enseignement et de voir vraiment au sein de notre comité sectoriel de main-d'œuvre, de voir vraiment l'enseignement versus les entrepreneurs, versus les représentants d'employés, de créer une synergie et puis d'aller chercher du jus directement. Alors, ça démontre bien l'intérêt du CQRHT de travailler vraiment avec les maisons d'enseignement. Là. C'est incontournable. Là. On doit faire un tout, là, surtout en ce moment. C'est quand même intéressant qu'on se permette de leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Je vois pour l'avance, parce que mais est-ce que nous, on en fait assez? Est-ce qu'on va assez vers nos maisons d'enseignement? Est-ce qu'on fait assez de place pour les stagiaires? Est-ce qu'on se rend disponible pour être des experts dans des cours, pour rencontrer des professeurs qui voudraient bien se lier au terrain? Est-ce que vous pensez qu'on a un signal à s'envoyer comme industrie qu'on doit faire un peu plus, Mario? Oui, puis ça me permet de réagir à ce que j'ai dit tantôt. Parce que je ne remets pas la balle juste sur les institutions d'enseignement. Puis je trouve que ta question est excellente. Non, je pense qu'on n'en fait pas assez. Nous, comme organisation, puis là, je parle plus pour moi, là, pour ce que je connais. Là. Il y en a sûrement qui font mieux que ce que j'ai pu faire. Mais effectivement, ce lien-là, on ne l'entretient pas. On ne l'entretient pas suffisamment. Puis je pense que ce n'est pas juste du côté de la maison d'enseignement, mais c'est aussi notre responsabilité. Notre responsabilité auprès de nos entreprises aussi de promouvoir cette opportunité-là d'embaucher des stagiaires. Puis c'est une belle... puis probablement qu'encore une fois, la situation va faire en sorte qu'on va donner une certaine proximité physique. Oui. Mais il faut trouver des stratégies pour mieux déployer ça sur l'ensemble du Québec. Non, puis de peut-être en termes, je ne sais pas, André, où tu es passé, de compréhension de façon de collaborer. Parce que le mot stagiaire revient assez rapidement, mais
Il y a des visites terrain d'accueil, il y a des interventions en classe, il y a des travaux étudiants dédiés. Il y a différentes façons, en tout cas moi j'ai expérimenté à travers les années, de collaborer, de recevoir des visites en entreprise une journée pour démystifier. On n'est pas nécessairement assez sensible, les gestionnaires, surtout en petite entreprise, à ce niveau d'engagement-là, qui est un peu plus contraint dans le temps, mais qui peut quand même contribuer à ce maillage-là et à ce parcours-là d'une relève encore mieux préparée à venir joindre nos rangs. André, je ne suis pas de ton côté si tu avais vu des choses de ce type-là. Ben, écoute, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mario dit. Effectivement, là, je pense que comme employeur, comme industrie, il va falloir nous aussi faire notre bout. Ce n'est pas juste de dire les institutions là, d'enseignement, là, c'est à vous de faire tout le travail. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ils sont là pour nous aider, mais il faut s'aider à s'aider. Là. Alors, donc, moi, je suis le premier pour avoir géré toutes sortes d'entreprises. Bon, des fois, le mot stagiaire, c'était bon, oh, bon, il va falloir l'encadrer. On va perdre du temps. On va être moins productif. Ben, c'est fini ce temps-là. Là. Je pense qu'on l'a dit depuis tantôt. Il faut regarder en avant. Puis je pense que les étudiants qui veulent choisir une carrière dans l'industrie, ben, faut les encadrer. On peut donner. Puis il faut être patient parce qu'effectivement, ils arriveront pas avec 3 ans d'expérience. Ils commencent dans l'industrie. Alors, faut être compréhensif. Puis ça, ben encore une fois, on peut remettre le volet client là-dedans. Hein? Un serveur là, qui débute, là, ben ça se peut que les premiers soirs, il y a un petit peu de difficulté. Il va falloir sensibiliser la clientèle à dire, ben regardez, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font. Hein? Bon, André, stagiaire, bon, ben quand tu vois André, stagiaire, qui te sert, ben si tu as le moindrement de classe un peu puis de gros bon sens, tu vas dire, bon, il commence dans l'industrie, puis pourvu qu'il soit gentil, qu'il ait un beau sourire, là, qu'il me serve à droite ou à gauche, là, pourvu qu'il me rembasse pas la soupe sur la tête, là, je vais être bien content. Là, bon, fait que je pense que l'industrie, on a du travail à faire, faut être beaucoup plus accueillant. Puis tu parlais d'exemple, François. Ben nous, au Massif, là, on était rendu qu'on prévoyait là l'hébergement pour nos stagiaires. Donc, on était quand même un peu en région, là, à Charlevoix. Donc, on prévoyait de l'hébergement pour justement les accueillir, puis qu'il n'y ait pas à se soucier de ce volet-là, de dire, garde, on s'occupe de votre hébergement, vous allez pouvoir loger sur place gratuitement pour justement leur rendre ça le plus facile possible. Alors, tout à fait d'accord avec ce que Mario dit. Comme industrie, si on veut des stagiaires, ben je pense qu'il faut être plus accueillant envers eux. Puis, coudonc, ben, dans l'industrie touristique, je pense que l'accueil, ça fait partie intégrante de nos fonctions. Fait que je pense qu'on peut l'être, oui, avec les clients, mais avec nos employés aussi. Tout à fait d'accord. C'est dans le discours qu'on a, disons, on s'est préoccupé longtemps d'être champion de l'expérience visiteur. On a ce devoir-là maintenant d'être champion de l'expérience employé. Xavier, je peux-tu réagir là-dessus sur… André a raison. Nos clients, c'est aussi nos employés maintenant. Il faut le savoir. Puis, dites-le pas, c'est un secret… c'est plus les employés qui c'est plus les employeurs qui choisissent les employés, mais c'est les employés qui choisissent l'employeur. Il faut savoir qu'il y a des plateformes aussi de notation maintenant qui existent sur les employeurs. Alors les employeurs vont devoir de toute façon se mettre à niveau et puis être top notch en termes d'accueil, d'intégration de l'employé. C'est un incontournable et puis dans les conditions aussi, ça va être un incontournable. Alors, on arrive dans le TripAdvisor de l'employabilité. Hein. C'est comme ça, que voulez-vous. Hein. Mais oui, je pense que c'est important. C'est important ce que dit André et voilà. Puis là-dessus, j'en profite là, en disant s'il y a des employeurs, des entreprises à l'écoute en virtuel. L'effort collectif, on essaie d'outiller. Là. Je sais qu'avec le CQRHT et l'ensemble des joueurs, c'est développé là, de la formation en virtuel, en accéléré sur la marque employeur, le marketing RH, oui. Etc. Donc, vous n'êtes pas laissé à seul quand on se donne des défis collectifs. On essaie de s'assurer aussi qu'il y a de l'accompagnement. À essayer d'être vigilant. C'est pas facile, on est inondé d'informations, mais il y a quand même des ressources qui sont là, intéressantes. Je nous lance un autre défi, industrie, ceux qui nous écoutent également. Oui, intégration pendant le parcours de travail, mais aussi attention particulière à la progression. Par expérience, ces jeunes qui arrivent diplômés ont la capacité de graduer rapidement puis de monter les échelons. Et là aussi, c'est d'avoir des réflexes avec ces gens-là, de dire comment on les initie. Donc, à quel moment bien choisi vous acceptez un observateur dans une rencontre de comité de direction qui est quelque chose de mythique qu'on aimerait bien démystifier quand on aspire à aller là? Comment on fait dans vos milieux associatifs surtout de dire
Il y a certaines réunions qui s'y prêtent bien, en Assemblée générale, en conseil d'administration. Comment on développe le réflexe d'aller chercher des éléments d'élite dans nos écoles pour les initier à vivre ces moments-là? Puis ça va renforcer, je suis convaincu, leur intérêt pour l'industrie, puis ça va leur permettre de voir jusqu'où ça peut aller, cette carrière-là. Donc, je pense qu'on a collectivement là, à développer rapidement des réflexes. C'est drôle que tu dises ça, parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, nous autres. En fait, aussi, c'est pas tous les employés qui veut progresser dans l'échelon, puis c'est correct, il faut respecter ça. Puis, il y en a d'autres qui veulent le faire. Puis, comme employeur, comme gestionnaire, il faut être ouvert à ces signaux-là. Puis, j'ai commencé à le faire. Nous autres, on a intégré des membres de l'équipe, juste pour aussi, dans notre comité de direction, qui s'imprègnent de la dynamique dans laquelle on est, qui comprennent mieux les enjeux. Puis, en même temps, bien, c'est beaucoup plus facile pour nous autres, ou comme pour moi après, pour faire comprendre ou... certaines stratégies, puis c'est important aussi comme gestionnaire. Puis ça, je trouve que ça devient aussi un réflexe qu'on développe par la force des choses. Hein. Il y a peut-être 3 ans, on n'aurait peut-être pas réfléchi de la même façon. Ça aurait peut-être Exactement. Été plus long. Puis j'ai aussi offert à quelqu'un qui, quand on parle de conditions de travail, ça fait partie aussi des avantages que l'on a. Il y a quelqu'un là, qui est parti ici, qui part ce matin pour un colloque en France dans l'équipe. Justement, cette personne-là qu'on intègre dans l'organisation, que je sens qu'il veut avancer, qu'il veut découvrir, qu'il veut apprendre, bien, va un colloque en innovation à Pau, en France. Il n'y a plus de colloque ici, de toute façon. Fait qu'il faut aller s'expatrier pour aller. Non, mais c'est une personne qui va, c'est ça, ramener, partager aux collègues. Oui, c'est en plein en ça. En termes d'enracinement, c'est fort. Je trouve que ça fait partie aussi des avantages de travailler en tourisme. Tantôt, on parlait aussi, si tu me permets, François, juste de revenir. On parle beaucoup des avantages connexes au salaire, mais on peut faire un bon salaire en tourisme. Ben oui. L'avantage que l'on a, c'est qu'on est capable d'offrir d'autres choses de plus qu'un salaire qu'une autre entreprise ou un autre domaine ne peut pas le faire. Parce qu'on peut très bien gagner sa vie en tourisme. Non, tout à fait, tu fais bien de le souligner. C'est pas une compensation qu'on est en train d'offrir avec des visites partout, là. C'est juste le plus par rapport à une autre industrie. Tout à fait. Puis qui fait en sorte que l'employé, oui, en a personnellement un avantage, oui. Mais ça fait partie de son développement professionnel en même temps. Donc. En autant que là, pas trop de monde de Revenu Canada nous écoute, parce que faut pas que ce soit un avantage imposable. Non, parce que c'est une activité professionnelle, en quelque bien, part. C'est ça. Hein? Je sais pas si c'est filtré au niveau du web, là. André, je sais pas si tu voulais réagir au propos de Mario. Oui, bien, écoute, c'est sûr quand tu travailles dans une grosse entreprise, moi, j'ai eu l'occasion de travailler là, pour la CEPAC, j'ai eu l'occasion de travailler pour la chaîne hôtelière Delta. C'est sûr que ces grosses entreprises-là, ben il y a des plans de formation, il y a des plans de relève. C'est sûr que c'est important, puis je pense que ça devient encore plus important. Quand on identifie un membre de l'équipe, là, puis qu'on discute avec lui, parce que, bon, je pense qu'on l'a dit, c'est pas tout le monde qui souhaite gravir les échelons, devenir gestionnaire. C'est le fun d'être gestionnaire, mais c'est pas donné à tout le monde, puis c'est bien correct comme ça. Mais je pense que comme employeur, on se doit de créer cette relève-là, puis d'identifier les ressources qui ont le potentiel et la volonté de le faire. Puis après ça, ben, t'sais, s'asseoir avec eux, puis d'avoir des bonnes discussions, puis dire « OK, garde, tu veux devenir gestionnaire, c'est parfait, on va t'aider là-dedans ». On va travailler avec justement avec nos institutions d'enseignement, puis avec des cours là, qui peuvent se faire là, soit à distance, on est rendu bon là-dedans, ou encore des périodes là, plus courtes, pour donner la formation qui est manquante à ces gens-là qui veulent progresser dans l'entreprise. Puis là, tu les identifies dans un plan de relève, puis tu les impliques dans ce plan de relève-là, qui comprennent qu'ils font partie là, de l'avenir de l'entreprise. Alors, vous voyez, tantôt, quand je parlais de reconnaissance puis de mobilisation, bien ça, c'en est un bel exemple de dire, garde, Mario, je trouve que tu es super bon, tu fais un super travail, puis je sais que tu veux monter, puis tu veux devenir directeur général, bien garde, on va t'aider là-dedans, mon Mario, on va te donner ce qui te manque. Il n'en manque pas gros, là, t'es déjà très bon. Puis tu vas avoir une belle carrière, puis tu vas faire de l'argent. Il est encore si jeune. Ouais, c'est ça, je l'ai dit tantôt, je suis beaucoup plus jeune que vous autres, là. Ça fait que. Merci, André. Bien, merci, messieurs, à moins que quelqu'un lève la main pour un dernier commentaire. On a déjà franchi mi-parcours, puis on s'était dit là, qu'on prendrait le temps d'aller
vous laisser vous exprimer, mais j'ai vu beaucoup de prises de notes là, du côté des étudiants, des enseignants. Je pense qu'on serait rendu au moment un peu d'ouvrir la discussion plus largement. Peut-être, là, je ne veux pas pointer quelqu'un, mettre mal à l'aise, là, mais déjà, qu'est-ce que vous retenez des échanges qui vous surprend, vous déçoit, et gênez-vous pas? Puis après ça, est-ce que vous aimeriez relancer l'un d'entre nous ou tout le panel avec une question ou avec une réaction à un enjeu ou une réalité? William, il me semble que tu as beaucoup de regards sur toi. Là. Ben, c'est ça, tu es le diplômé des trois. Hein? Moi, j'aimais beaucoup l'intervention que vous aviez. C'est quand on se retrouve entre nous en industrie et on n'est pas ouvert au grand public en général, bien, on se sent à l'aise de discuter des problèmes pour chercher des solutions. Quand tu discutes avec tes collègues étudiants, est-ce que nos discussions très réalistes des problèmes, est-ce que ça a noirci le tableau des carrières en tourisme ou, comme vous aviez l'espéré, vous y voyez un monde d'opportunités de dire, bien, on aura des beaux chantiers, on aura la chance de faire la différence, on va aller reconstruire avec le groupe. J'étais curieux d'avoir votre premier réflexe en disant, ça a-tu fait peur, cette crise-là, ou ça vous a donné l'impression que vous pourriez faire votre part? Lors de la fermeture, oui, je suis d'accord que ça fait peur, parce qu'on a peur qu'une nouvelle pandémie arrive ou que l'industrie referme encore une fois. C'est sûr qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup plus de stabilité, je pense, dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc, aussi, ce côté-là, oui, ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, effectivement, comme M. Grette mentionnait, c'est nous maintenant qui cherchons l'employeur pour lequel on veut travailler. Donc, ça nous permet d'ouvrir plus de portes puis de vraiment choisir qu'est-ce qu'on nous, on veut faire, puis performer dans qu'est-ce qu'on est bon, dans qu'est-ce qu'on veut faire. Je voyais Brittany aussi qui hochait de la tête. Je pense que pour moi aussi, c'est vraiment bon comme le changement des emplois que vous avez parlé, comme les nouveaux technologies qui s'en viennent à cause de la pandémie. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes opportunités pour nous comme étudiants pour vraiment comme tourner l'industrie et comme le faire focusser une autre direction pour nous et pour comme avoir une meilleure... relation entre les emplois puis les étudiants aussi. Ah, c'est intéressant. Je vais te laisser préparer ta réponse, mais je te relancerai sur est-ce que dans cette meilleure adéquation-là, puis c'est très, très personnel, je vais te revenir avec toi, ta lecture, y a-tu un ou deux défis qui, toi, viennent te chercher plus en disant, bien, on en a discuté, moi, collaborer à ça, bien, ça m'a parlé plus que le reste. Je vais aller à Anastasia, mais je te reviendrai, ça te laisse le temps de penser à ta question, à la réponse. A commencé, puis j'étais peur que l'industrie va fermer, puis je ne vais pas avoir une chance de même travailler dans ce domaine. Puis j'ai joué aussi 5 d'autres personnes avec moi deuxième année. Donc je suis très contente que vous êtes prête aussi de travailler avec l'école, le collège La Salle, pour encourager les gens et d'aller à un tourisme. Très content qu'il y a des cross-training, par exemple. Je pense que c'est très bon d'avoir des postes différents qu'on peut essayer et choisir c'est quoi exactement qu'on peut faire. Dans le fond, j'avais une question aussi. Comment pensez-vous que l'école et d'autres collèges peuvent encourager les gens d'aller en tourisme, parce qu'il y en a quand même beaucoup des étudiants en hôtellerie, mais pas assez en tourisme. Donc, comment les montrer qu'il y a beaucoup les domaines, il y a des avions, il y a des croisies, on a beaucoup des associations, il y a tellement beaucoup à faire. Donc, c'est quoi la meilleure façon de les montrer? Est-ce que c'est sur des technologies, c'est les communications personnelles? C'est ça. Excellente question.
qui veut la prendre au bon en premier. Qu'est-ce qu'on, tu peux, Sandrine, tu as bien entendu, là, dire, qu'est-ce que, comment on peut aider comme industrie, les maisons d'enseignement à générer plus d'intérêt pour poursuivre un programme de formation, spécialement en tourisme, l'hôtellerie, restauration, il est peut-être plus facile à comprendre, circonscrire. Le volet touristique est assez large dans la diversité des champs d'emploi. C'est peut-être plus difficile à positionner et à promouvoir. Comment on va faire? Parce que c'est vrai là, qu'il y a des cohortes qui ont été réduites dans un contexte de pandémie, alors qu'on aurait voulu plus d'inscrits. Est-ce qu'on a des idées là, sur comment on devrait travailler à positionner le secteur touriste là, pour attirer plus de candidats et d'étudiants? André? Ben, je pense que je vais prendre mon miroir et je vais diriger ça sur Xavier. Non, écoutez, je pense qu'on en a parlé tantôt, d'avoir une meilleure communication, je pense que c'est ça, c'est la base. Puis ça, je pense que pourquoi je dis ça à Xavier, c'est parce qu'il l'a dit tantôt, je pense que le CQRHT est déjà beaucoup en lien là avec les institutions d'enseignement. Et ça, ben, je pense qu'il faut juste amplifier cette bonne communication-là pour échanger avec eux sur les nouvelles réalités, que tout le monde soit partie prenante de la solution. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va avoir du succès puis qu'on va pouvoir informer les étudiants de tous les nouveaux défis puis les opportunités qui vont se présenter à eux. Alors, je pense qu'encore une fois, le mot communication, là, qu'on le sache, que tout le monde soit au fait de ce qui peut être fait, ce qu'on pourrait faire différemment. Donc, c'est d'impliquer autant les institutions d'enseignement, CQRHT, l'industrie en général, les employeurs, puis pour trouver ces solutions-là. Mais je pense que ça passe vraiment là, par une bonne connaissance de ce qui se fait et ce qui peut se faire. Je suis assez d'accord. Je vais remettre mon chapeau à Événement Attraction, puis je vais attraper avant d'envoyer le miroir à Xavier. Moi, bientôt 2 ans que je suis là, puis on a tous fait notre effort là, au niveau du recrutement puis soutenir dans notre intervention sectorielle. Puis un des éléments que je constate, puis les entrevues médias, puis les gens que j'ai rencontrés, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de postes. Donc, de réussir à illustrer ce que c'est, Xavier, tu pourrais expliquer que le tourisme, c'est 5 industries, là, c'est déjà une première complexité. Juste dans notre secteur, quand on essaie d'attirer l'attention sur le recrutement de début de saison, c'est très large le besoin en main-d'œuvre. Des fois, c'est très technique. Je parlais à mes partenaires qui sont des croisiéristes. Ils vont chercher des mécaniciens, des capitaines de bateaux, des matelots. On n'est pas dans le diplôme en tourisme, là. Mais ils vont aussi chercher des gens qui vont être des chefs d'équipe pour des services de billetterie, de marketing, de gestion de médias sociaux. Donc, et ce qu'on a comme défi collectivement, c'est que la population en général, donc les gens qui ne sont pas nécessairement dans un programme, puis qui vont se poser la question, est-ce que je voudrais étudier là-dedans ou travailler là-dedans, ce qu'on en connaît, c'est l'emploi visible. Donc, on voit le préposé à la réception dans un hôtel, on voit le préposé à la billetterie dans une attraction. Et on ne sait pas que derrière, il y a un chef d'équipe qui est dans le bureau administratif, qui s'assure de faire la formation, les cédules, l'encadrement, de gérer ça, de faire la réconciliation des chiffres de billetterie du jour, et que ça s'en va à de la comptabilité qui va faire. Donc, ce côté-là caché de l'industrie, on aura peut-être un défi de valorisation ou de pédagogie, de dire que cette industrie-là, elle est beaucoup plus large. Puis, Xavier, tu parlais là, de 400 différents types d'emplois dans notre secteur. Puis on le fait avec des focus groups avec la population générale. Après les 10 premiers doigts, là, le commun des mortels n'était plus capable d'aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Il en reste 390 à nommer. C'est assez surprenant parce que la perception, c'est l'emploi de première ligne. Donc, on aura ce défi-là, surtout dans des écoles de formation de gestionnaires, de démystifier toute cette diversité-là qui est derrière. Donc, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. C'est comment on peut être attiré par un programme qu'on comprend un peu, dont la portée n'est pas très connue. Je pense qu'on a raison qu'on a ce défi-là de pédagogie ensemble, d'explication puis de mise en valeur. Je pense que valorisation prend beaucoup, beaucoup de place là, dans nos défis de main-d'œuvre dans les prochaines années. Puis CQRHC, vous êtes au cœur avec l'industrie, les partenaires, l'Alliance, sur toutes sortes de stratégies de valorisation de l'emploi en tourisme. Ah, c'était le terme que j'allais utiliser. On parlait de promotion, je voulais utiliser le terme de valorisation. Tu me l'as volé, François, merci beaucoup. Oui, c'est valorisation, c'est important. Vous savez, dans les cursus aussi, présentement, on est en train de réviser, puis le CQRHT est impliqué, le DEC en tourisme. Donc, c'est vraiment d'aller revoir aussi les programmes. Et puis là, on le sent, quand tout à l'heure, on parlait relations entreprises, CQRHT,
Ben là, pour une fois, le SécurHT est impliqué, les entreprises aussi. On revoit le programme d'Ecan Tourisme. On a notre mot à dire. Donc ça, c'est bien parce qu'effectivement, c'est vaste le tourisme. C'est effectivement 400 métiers. Tu parlais pour toi tantôt. Moi, je vais parler pour les stations de ski, auxquelles aussi le ski, c'est important dans l'industrie touristique, auxquelles on a une pénurie de main-d'œuvre dans les mécaniciens de remontée mécanique, par exemple. Donc, c'est un autre secteur d'activité auquel on retrouve des préposés à l'accueil, auxquels on a des gens en arrière aussi, des gestionnaires. Alors, c'est vrai que l'industrie touristique, c'est vaste. Et quand je parlais plutôt aussi peut-être de partage de personnel, prenons cet exemple-là flagrant qui dit, regarde, on peut peut-être prendre des gens des stations de ski l'hiver, les envoyer l'été dans l'industrie touristique, qui peuvent être guides, qui peuvent être dans l'hébergement, etc. Donc, effectivement, on touche à tout. Hein. Mais c'est peut-être une valeur ajoutée, ce touche à tout-là. Là. Faut le prendre encore une fois positivement. Là. Tout à l'heure, on parlait, et puis je crois que c'est toi qui as mentionné justement le cross-training. Là. Et bien, on a un cross-training grandeur nature avec l'industrie touristique au complet. C'est-à-dire que c'est une pieuvre, là, on peut toucher à différents secteurs d'activité, ça ouvre à différentes portes, on peut s'y retrouver. Alors là, l'enjeu là-dedans, c'est effectivement de le circonscrire et puis aussi de le présenter, de le packager et puis de l'amener aux futures personnes qui vont rentrer dans le secteur d'activité afin de mieux le comprendre et de mieux le faire comprendre. Alors ça, c'est... On peut le travailler ensemble, l'industrie, on peut le travailler le SécurHT, les entrepreneurs, et puis le milieu de l'éducation, pour arriver à mieux packager et mieux faire comprendre ça. Mais c'est vraiment une force qu'on a, là, d'avoir ce secteur d'activité-là, qui nous permet justement, un jour je suis là, et puis le lendemain je peux aller là. Ça, c'est rare. Moi, quand on fait des études en comptabilité, là, ben, excuse-moi, mais je fais de la comptabilité tout le temps, là. Ben, là, ce n'est pas le cas. Alors, voilà. Oui, parce que le défi de valorisation va être très, très important. Puis il y a l'action collective, là, puis elle se structure mieux qu'elle se structurait il n'y a pas encore si longtemps. Puis il y aura l'action individuelle. Là. Je pense qu'on a des messages à passer aux dirigeants d'entreprises qui pourraient nous écouter, dire cette sensibilisation-là sur la diversité des postes, on doit l'apporter tout le monde ensemble pour permettre à la population de comprendre. Ça va peut-être mener des inscriptions à des niveaux de formation secondaire professionnelle pour certains postes, mais ça va mener à un intérêt pour une formation de niveau collégial avec une conscience de ce que ça peut mener dans des secteurs aussi diversifiés que le réseau de distribution ou le plein air ou le transport, qui vont chercher des spécialistes de gestion. Et là, ben, ça enchaîne ce que tu disais, il y a une poursuite de perfectionnement en emploi, une spécialisation sur certaines compétences. Vous ne pourrez pas toutes les apprendre sur les bancs d'école, il y a trop de diversité. Je pense que l'école vous donne une base solide pour progresser par la suite. Mais j'entends bien ton message. Tu viens renforcer la perception qu'on avait que ce n'est pas facile de comprendre le mot « tourisme » dans toute sa diversité. Mais François, je reviens un peu sur la remarque de… Je peux parler? Ben oui. De William. La crainte que ça referme, puis qu'on revive ce qu'on a vécu. C'est sûr qu'on a un problème de… Là, on a un gros travail de marketing à faire parce que ça nous a affecté beaucoup. C'est une des industries qui a été le plus affectée par la pandémie. Mais au-delà de ça, ça faisait peut-être une trentaine d'années que l'industrie était en croissance. Et c'est pas la première industrie non plus qui va avoir subi un choc, puis qu'on va se relever de tout ça. Mais ça, c'est à nous autres comme industrie, comme organisation, où c'est à mieux promouvoir les opportunités puis les perspectives d'avenir dans l'industrie touristique. On ne contrôle pas s'il va y avoir une autre pandémie, si on ne le contrôle pas, mais il reste que ça, c'est un défi pour nous autres, les organisations en place, de contrer cette image-là. Là. Donc, on a un travail de marketing à faire. Ici, depuis 18 mois, on a beaucoup parlé de l'impact, en disant on a été impacté rapidement, puis on va redémarrer plus tardivement. On a aussi à se répéter entre nous qu'on est probablement l'industrie mondiale la plus résiliente. Non. Il y a des secteurs qui sont tombés après des crises, qui n'ont pas su relever. Le tourisme s'est toujours relevé. Je pense que c'est la première fois que la crise est aussi longue. Donc, elle frappe l'imaginaire plus fort. Mais on sent déjà le redémarrage. Il va être là et il va reprendre. Et les projections mondiales disent on va retourner vers encore ces sommets-là qu'on avait. Donc, oui, de temps en temps, dire « je veux une stabilité, puis tu sais, je te comprends, puis je me rappelle quand j'avais l'âge de Mario. » Et tout ce volet-là où ben, tu veux, oui, un revenu plus stable, puis un jour va venir
maison, enfant, etc. Elle dit, comment je vais faire s'il faut que je tombe en chômage 18 mois par cycle de 10 ans? Bien, c'est la première fois qu'on a une crise qui dure dans le temps. On a eu des éléments, tu sais, de SRAS puis les attentats à New York et de... C'est des soubresauts qu'on pensait qu'ils nous ébranleraient sur des durées de mois et le niveau de rebond est incroyablement rapide. Et ce qui nous donne confiance, puis il faut que vous le sachiez, c'est que quand on a vécu ces crises-là, on a appris, on a évolué. Donc, on savait en termes de niveau de sécurité. Puis après ça, on a réussi à dire, bien, ça a augmenté la sécurité aérienne, le 9-11. Là. Mais on a réussi à revoir le parcours du visiteur dans l'aéroport et les mesures de sécurité sont demeurées renforcées. Donc, ça fait partie de notre vie maintenant. Puis, ça n'a pas freiné le voyage qu'il y ait cette nouvelle contrainte-là. Là, les mesures sanitaires, ils ne vont pas complètement disparaître. On va garder un héritage de façon de faire, mais on a inventé, tout le monde ensemble, des mesures sanitaires. On a inventé des protocoles, des façons de faire. Au prochain virus, là, on la connaît, la recette, maintenant. On l'a écrit. On va réagir beaucoup plus rapidement. Et on va garder des éléments de sécurité pour faire en sorte qu'on ne vivra plus une crise si grave. Donc, c'est peut-être un des moments les pires pour envisager une carrière. C'était insécurisant, les derniers 12 mois. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, soyez confiants. Et on aura tous à porter ce message-là pour réintéresser les prochaines générations à notre secteur. Puis les prochains 12 mois vont probablement être la période où on va connaître la plus forte croissance dans l'industrie touristique qu'on n'aura jamais connue aussi. T'sais. C'est ça aussi. C'est les 3-4 prochaines années, c'est de la croissance. Ça va être une effervescence. Ouais, on se raconte depuis tantôt comment on aura réinventé des trucs. Ouais. Ça va être hyper stimulant. Là. Moi, Xavier disait, là, c'est un rendez-vous historique qu'on ne voudrait pas rater. Là. Ben, nous, on est chanceux, on est encore là, mais venez avec nous, ça va être trippant. André, j'étais du coin de l'œil, là. T'as pas de petite main jaune, mais. Oui, bien, écoute, juste rebondir un peu ce que Xavier a dit, là, on parlait de stations de ski, de travail, d'employés là, qui peuvent effectivement travailler une saison pendant la saison d'hiver en ski, puis travailler ailleurs durant l'été. Moi, ça m'amène deux réflexions. La première, ben un, ça prend une belle collaboration avec les syndicats. Quand tu travailles dans un milieu syndiqué, d'avoir un employé qui travaille l'été, l'hiver, ça, je pense que pour pouvoir faire des aménagements. Puis là, on n'a vraiment pas le choix parce que, bon, encore une fois, je ramène ça à mon expérience au Massif. Ben, j'ai eu de la difficulté à trouver des employés cet été, puis pourtant, j'en ai 400 l'hiver, puis je n'avais besoin de 50 l'été, puis j'ai eu de la difficulté à en trouver. Alors, il y a un travail à faire avec les syndicats pour être capable d'avoir les ressources. Puis l'autre point, puis ça, je pense que quand on parlait tantôt de polysolution, la réforme de l'assurance-emploi, là, je lance ça dans la cour de nos gouvernements fédéral et provincial. Il faut revoir l'assurance-emploi et, mon Dieu, ça presse. C'est une loi là qui est dinosaure et qui est plus adaptée aux réalités qu'on a aujourd'hui, puis encore moins à faire face à cette crise qu'on vit dans le moment. Alors ça, évidemment, là, on est loin peut-être du sujet de ce matin, là. Quoique, tu nous as parlé, François, tu sais, de l'assurance-emploi. Une chose que je peux dire, là, puis ça fait 40 ans que je suis dans le milieu touristique, chers étudiants, si vous vous lancez dans l'industrie touristique, vous en manquerez jamais d'emploi. Parce que vous allez devenir polyvalent, polycompétent, un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui, puis cette polycompétence-là est exportable, parce que si vous faites un travail ici au Québec, puis vous pouvez partir ailleurs, puis vivre d'autres expériences, que ce soit si vous êtes cuisinier, que en réception, à l'entretien, c'est exportable, c'est connaissances que vous allez avoir, et si vous devenez gestionnaire, bien, ça l'est encore plus. Alors, ça vous permet aussi, l'industrie touristique, de voyager si c'est quelque chose que vous aimez, puis d'avoir toutes sortes de belles expériences. Alors voilà, je ferme la parenthèse sur l'assurance-emploi, qui est un sujet qui m'est très cher. Donc, André lance le message à la relève. Si on peut devenir ministre fédéral et changer une loi. je vais me permettre une relance un peu sur l'intervention de Brittany tout à l'heure en disant, bien, on soulevait qu'il y avait de beaux défis. On avait identifié plusieurs défis. Puis il y a des mots-clés qui reviennent là, comme des pistes de solutions pour la relance de l'industrie. Donc, tout le volet de l'innovation, de l'intégration technologique. On a effleuré très rapidement le tourisme durable, qui est un vecteur. Puis notre ministre du Tourisme nous en parle beaucoup sur la capacité de notre destination de se projeter dans les leaders mondiaux là-dessus, de nouvelles compétences de gestion. Est-ce que vous représentez l'ensemble à trois grosses pressions?
Est-ce que certains de ces défis-là vous parlent plus particulièrement? Est-ce qu'il y en a que vous faites comme, ouais, ça, moi, perso, sans dire que ça reflète tous les outils, ça m'allume. En innovation durable, marketing RH, qui vient vous chercher en disant, oui, je pense que nous, la prochaine génération, on fera une différence là-dessus. Personnellement, je pense que l'introduction de plus des affaires technologiques. Vous avez parlé, à un moment donné, de dit-on que le service à la clientèle, ça va être plus focusé sur la clientèle. Et je pense que c'est vraiment important ça, pour les clients, pour avoir une bonne relation entre clients puis travailleurs aussi. On voit ça même avec un hôtel à Montréal. Il y a un robot maintenant qui fait le room service. Je pense que c'est le Montville. Oui, exactement. Mais je pense que ces technologies-là vont vraiment nous capter dans le futur. Et ça va être plus focusé sur le monde. Et le changement, ça va aider à comprendre nos clients de plus. Et je pense que c'est vraiment important de prendre la pandémie, voir que le monde, ça, il veut avoir, puis changer les emplois et refocuser sur ça. Non, j'aime ça parce que ça fait partie des défis. T'sais, on s'en parlait de entendre être informé, mais savoir comment l'implanter. C'est sûr que si vous avez déjà cet éveil-là ou cette réflexion-là qui s'amorce pendant votre parcours d'études, ça peut nous amener, nous comme industrie, un nouveau souffle, puis vous allez amener une autre énergie pour faire face à ça. Puis le robot livreur, c'est un bel exemple en disant, on cherchait tout à l'heure comment la technologie vient peut-être supprimer des emplois qui n'ont pas une très grande valeur ajoutée. Donc, que ce soit un humain qui monte le cabaret devant votre porte ou un robot, c'est moins important en contact humain que quelqu'un à la réception ou à l'accueil qui fait partie du sens de l'arrivée puis de la rassurance quand on arrive dans un nouvel endroit. Fait que c'est un bel exemple de dire comment, pendant votre parcours scolaire, puis les professeurs aussi, vous avez peut-être plus ce temps-là à consacrer à voir, à réfléchir, puis que vous deveniez rapidement des alliés pour nous quand vous arrivez avec un niveau de réflexion qui a progressé. Je ne sais pas, Anastasia, s'il y a un des défis soulevés qui t'a interpellé plus que les autres. Pour moi, peut-être parce que je n'étais pas née au Canada, pour moi, c'est la langue. J'aimerais travailler aussi peut-être en Montérégie ou d'autres régions. Puis j'aimerais que les employeurs soient ouverts pour avoir les gens qui sont internationaux puis qu'on essaye d'améliorer nos langues puis explorer toutes les régions du Québec. Donc, c'est un des défis, c'est la langue. Qu'il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent les langues parfaites, puis déjà là, on ne peut pas appliquer. Donc, c'est un défi très important pour moi. Bien, c'est un signal pour nous très positif là, d'entendre cet intérêt pour les régions, puis surtout d'étudiants étrangers qui viennent, puis qui à la fin du parcours voudraient rester et qui nous disent bien, moi, j'irai en région, c'est de la musique à nos oreilles. Si je peux. Ben oui, je voulais te passer, parce que j'allais surfer sur la réponse d'André tantôt, de nos efforts, là, tu sais, de vous faciliter l'arrivée, l'hébergement, il faut être complice de votre volonté d'aller en région. Xavier. Non, ce que dit Anastasia, j'aime beaucoup ce que tu dis, hein. Sachant que la francisation, il y a de l'accompagnement même en entreprise pour poursuivre la francisation des employés, ça doit plus être un frein maintenant. Je dis aux entrepreneurs, là, on peut accompagner des gens en francisation dans les entreprises. Et ça ne doit plus être un obstacle présentement, parce qu'on peut y arriver. Ce que je voulais dire aussi, parce qu'on a l'air d'être aussi de temps en temps un peu au pays des Kalinours, en disant que c'est tout beau, tout va bien, etc. C'est vrai que l'industrie touristique, on est face aux clients, et puis que ce n'est pas toujours évident, puis que ça peut demander beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'investissement, des heures décalées aussi. On ne va pas se mentir, ça existe là, c'est présent là. Il faut savoir dans quoi on s'embarque aussi. Mais par contre, ça permet d'autres avantages dans la flexibilité du temps de travail, etc. Alors, je voulais vraiment ramener ça, de dire oui, c'est le fun, c'est top, c'est génial, mais il y a aussi ce volet-là où vraiment on a ces contraintes-là, il faut le savoir, ça existe. Mais d'être en horaire décalé, des fois, c'est le fun. D'aller faire magasiner le lundi, il y a beaucoup moins de monde que le samedi, là. Je vous le dis, là, ça, c'est le fun. Hein? Je voulais absolument pas parler de ça, François. Et puis vraiment d'entendre quelqu'un comme toi, Anastasia, qui dit je vais découvrir les régions du Québec, là. Écoute, c'est de la musique à nos oreilles, là. C'est ce qu'on veut, là.
Alors, tu es l'élément parfait. Hein. Alors, tu as peut-être commencé avec la Montérégie, mais il faut aller ailleurs après. Hein. Hein? William, même question un peu sur les défis donc, qu'on discute, là, qui font faire partie de ces stratégies de relance-là. Est-ce qu'il y en a un qui vient, qui a capté ton attention, tu sais, le durable, l'innovation, la stratégie de gestion, réorganisation du travail? Bien, ça va être pour principalement ressources humaines. Là, maintenant, les employeurs peuvent nous écouter ou ils prennent les idées de nous. Donc, avant, c'était un défi qu'on avait, qu'on n'avait pas beaucoup notre mot à dire, mais maintenant, c'est le fun. On est capable de donner des idées, on se sent écouté de nos employeurs. Donc, je pense que c'est un beau défi qu'on est après relever et qu'on a travaillé longtemps pour relever. Que là, Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une des questions que j'avais dans ma manche, c'est ça de dire, si je vous demandais c'est quoi vos attentes, parce que vous allez arriver, sur le marché du travail, vous allez y arriver, comment nous, on doit évoluer? Parce qu'il y a un changement de contexte puis il y a un changement générationnel aussi. Là, tu en soulèves un truc sur l'écoute, mm-hmm. en disant ce qui va nous intégrer, nous fidéliser puis nous stimuler, c'est d'être capable de contribuer activement. Y a-t-il d'autres éléments que votre point de vue, mais est-ce que vous jasez avec les collègues sur votre attente en disant, nous, on voudrait bien joindre cette belle industrie-là, mais on aimerait vivre telle expérience ou telle façon d'être intégré. Y a-t-il des éléments particuliers qui ressortent? Vous avez pu avoir plus de flexibilité, genre une domaine plus hybride. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, dans le futur, ça m'intéresse beaucoup. Parce que moi, je savais toujours que je n'étais pas une fille 9 à 5, lundi à vendredi. Moi, je n'ai pas de problème à travailler les fins de semaine. Comme vous avez dit, les lundis sont moins bons pour, magasiner. Mais j'aimerais ça comme, disons, je travaille le matin, l'après-midi, je suis dans les montagnes, puis je retravaille le soirée. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Aussi, être capable de faire mon job à distance aussi, ça serait vraiment intéressant pour moi. Être capable de voyager puis travailler en même temps dans mon carrière, je pense que c'est quelque chose que les jeunes de mon âge aimeraient ça beaucoup. Parce que, comme je dis, je pense que quand on rentre dans cette industrie-là, on n'est pas comme... Il faut travailler comme 9 à 5. On est vraiment flexible et on entend être une carrière très flexible, être capable d'aller n'importe où dans le monde. Je pense que c'est vraiment important. Et je sais que ce n'est pas tous les postes qui sont capables de faire ça, mais surtout pour moi, j'aimerais travailler dans des affaires de marketing éventuellement, dans les tourisme à Montréal et des affaires de même. Et j'aimerais ça voir l'industrie qui change, qu'on peut faire plus d'affaires aussi, puis mieux améliorer nos affaires de marketing et être capable de juste changer un petit peu le domaine du travail. Très intéressant. Donc, non seulement on a une petite révolution sur certains gestionnaires d'accepter le télétravail, l'employé va être à la maison, de dire on va apprendre le télétravail d'un employé nomade, puis y voir les avantages parce que cette personne-là va aller à la découverte d'autres pratiques, d'autres façons d'être et de faire. On a encore, en tout cas, plusieurs gestionnaires ont encore du chemin à faire, mais je pense que le message est clairement lancé. Je ne sais pas, on a notre coach enseignante là, qui est là, qui garde son masque, qui essaie d'être discrète. Daniel, je peux-tu me permettre aussi de t'interpeller toi aussi, puis de dire dans tout ce qui a été présenté ou discuté, pendant qu'il y a moins de surprises, parce que les enseignants, vous nous suivez, puis on se parle, etc., mais... Y a-t-il des éléments que tu retiens de nos discussions jusqu'à présent? Oh oui, beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette magnifique conversation avec les étudiants. J'ai écouté avec beaucoup. Vous avez prêché une convaincue. Tout ce que vous avez dit, on le vit au quotidien. Nous sommes effectivement les VRP de l'industrie. Mais on a besoin aussi d'une bonne équipe marketing et vous l'avez soulevé, il faut valoriser les postes, les jobs dans l'industrie, la carrière qui peut se faire dans l'industrie et pas simplement une fois qu'ils sont recrutés en tant qu'étudiants, mais même je dirais en amont. Et donc pour valoriser, il faut vraiment parler de ces carrières, de ces possibilités et écouter votre histoire. C'est ça qu'en fait les étudiants du secondaire doivent entendre, parce qu'une fois qu'ils sont sur les bancs du collège, une fois qu'ils sont dans les rangs des étudiants au niveau du DEC ou de l'université, ils sont déjà des convaincus.
Ce sont eux les futurs gestionnaires. Il faut aller en amont et nous aider à être les VRP, parce que nous, déjà, on a des séances, on va voir les conseillers pédagogiques dans les secondaires, mais on a beau leur vendre nos programmes, il faut aussi vendre l'industrie. Donc, il faut vraiment mettre la main dans la main, les maisons d'éducation comme nous, les maisons d'enseignement et l'industrie pour valoriser les différents jobs, les carrières qui peuvent se faire au niveau touristique, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration, pour montrer que c'est vraiment une carrière et pas simplement un job. Ensuite, j'ai adoré la place aux enseignants, aux maisons d'enseignement dans le recrutement et dans la rétention des employés. Votre polycompétence et la flexibilité, ces cédules que vous préconisez pour pouvoir libérer les étudiants, mais moi je vous dirais, on pourrait aussi même libérer des enseignants. Nous sommes des experts de l'industrie, et si on libère nos étudiants le vendredi, eh ben on est libre aussi, et pourquoi pas ne pas faire un partage de personnel avec nous les enseignants. Ça nous permet d'avoir un pied dans l'industrie, de garder vraiment les besoins au quotidien de ce qui se passe, les changements, parce que flexibilité, si on reste dans notre salle de classe, on ne l'aura jamais. Donc il faut vraiment avoir un pied dans l'industrie, vous un pied dans l'enseignement. Donc il faut vraiment qu'on marche côte à côte et qu'on marche dans le terrain de l'autre, je dirais, vraiment qu'il y ait un échange beaucoup plus fort, beaucoup plus présent entre nous. C'est sûr qu'on va se battre avec, et là moi aussi je lance un mot au ministère de l'Éducation, vous, développement Ressources Humaines Canada, oui, c'est sûr, refaire des programmes tous les 7 ans, là 7 ans c'est énorme dans une vie, dans une carrière, il y a tellement de changements, on le voit, en l'espace de 18 mois, on est passé de... Bon, il faut se réinventer et il faut revoir les façons de faire. J'adore ce que Brittany a dit aussi, ce que Anastasia et William ont dit. C'est vrai, il faut être à l'écoute les uns des autres. Flexibilité, moi ce que je retiens, c'est flexibilité, agilité, polycompétence, écoute et échange aidez-nous à vous aider et on vous aidera et ça va être les vases communicants. C'est nécessaire parce que nous on le voit, la pénurie de main d'œuvre pour nous, comment elle se traduit par la pénurie d'étudiants. Donc on a le même problème, nous on est au début du chemin. Ben, si au début du chemin il n'y a pas d'étudiants, ben, il n'y aura pas d'employés. Donc, il faut absolument se tenir la main et travailler vraiment conjointement. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai vraiment adoré ce que vous avez tous dit. On le vit au quotidien et ensemble, on va y arriver. Merci. Voilà. Je vais laisser les collègues réagir, mais tu ouvres une porte sans peut-être vouloir l'ouvrir, mais en disant, par exemple, l'enseignant qui devient disponible. Ben, ça peut être un expert, on peut travailler un partage de connaissances. Ça va amener aussi ce grand défi-là de la formation en continu, en entreprise, en ponctuel, qui n'est pas un mode collaboratif qu'on a encore établi. De dire comment on est capable de vous utiliser pour de la formation à nos employés en milieu de travail, qui devient plus de la formation continue que de la formation initiale. Ce n'est pas des modes collaboratifs ou des partenariats qu'on a nécessairement développés. Ce n'est pas nécessairement le modèle de ce que l'école a comme mode de financement que ce type d'intervention-là. Donc, je sais que la formation continue, c'est important d'ici au Collège de la Salle, mais je pense qu'il va falloir qu'on explore des nouveaux modes de collaboration que de vous voir juste comme notre territoire de préparation d'une relève diplômée. Parce qu'il y a d'autres types d'interactions où on est capable de s'aider activement, rapidement. Tout ça, super intéressant, ce que vous proposez, là, ce rapprochement-là. Moi, je vois des opportunités, effectivement, là, qu'on... il y a un actif dans les institutions d'enseignement avec les enseignants qu'on n'utilise pas assez. Et cet arrimage-là, et même nous ici, cet échange-là ce matin, je trouve ça super stimulant pour
nous qui sommes dans nos organisations, dans les associations touristiques. Je voudrais revenir sur ce que dit Brittany. Moi, ce que ça, dans le fond, ce que tu recherches ou ce que vous recherchez comme valeur aussi, votre génération, c'est les valeurs, pas que rechercher comme valeur, mais comme les valeurs qui sont importantes pour vous, une certaine liberté, voyager, découvrir. Bien, c'est beaucoup ça aussi que l'on offre dans notre industrie, puis c'est ça qu'il va falloir faire plus, il va falloir mettre de l'avant aussi pour aider à ce qu'il y ait plus d'étudiants qui s'inscrivent, parce qu'on va avoir un problème tantôt dans nos organisations quand ça va être le temps de recruter. Puis ça, c'est pas dans toutes les industries qu'on a cette liberté-là là, de parce que les horaires flexibles, puis ça existe dans nos organisations, ça existait avant la pandémie, puis ça va continuer d'exister. Ce qui est nouveau, c'est le télétravail qui s'accentue. Mais c'est toutes des choses qui est possible de faire. Il n'y a pas beaucoup de contraintes à le faire. Il faut que ce soit encadré, mais c'est toutes des choses qui sont possibles de faire. Fait que... ouais, ça nous oblige à développer plus de flexibilité, de ouais. réflexes de gestion, par contre. Parce que les horaires brisés, ça demande, là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'attractions. Cette nouvelle génération-là demande d'être capable d'avoir beaucoup plus d'autonomie ouais. dans le partage d'horaires, de... J'ai discuté avec mon collègue, ça fait plus mon affaire, il va être là jeudi, je vais être là vendredi. Puis on va être capable de le décider par nous-mêmes, alors que c'est pas ça notre vieille culture de gestion. C'est en train de s'instaurer, mais vous allez contribuer à ça, à la fois en le demandant, puis en nous aidant à apprendre à le gérer. Votre génération, vous autres, tu parles, là. Oui, oui, je m'excuse de ne pas heurter les jeunes, Mario. André, réaction à ce que Daniel nous mentionne? Ouais, bien... C'est vraiment intéressant de voir que le corps enseignant pourrait devenir des ressources supplémentaires là, qui viendraient accompagner leurs étudiants. En tout cas, encore une fois, il y a peut-être un peu de démarche à faire avec les syndicats, là, mais ça serait vraiment une belle solution d'avoir des gens compétents qui s'en viennent donner un coup de main à certaines entreprises les fins de semaine ou le vendredi ou peu importe le moment. Là, je pense que c'est une très, très belle piste de solution. Ce que tu dis là, François, c'est très vrai. Oui, ce choc des générations-là, c'est pas nécessaire. Ça demande une certaine adaptation là, des gestionnaires, parce que bon, Mario, il était très bon, là, puis il veut se faire remplacer par Xavier là, pour le chiffre du samedi soir, là, mais Mario, il sait peut-être pas Xavier, il est peut-être pas si bon que ça. Alors, ça reste que... Ça reste que le gestionnaire doit quand même garder un certain contrôle, sinon ça va devenir le Far West dans l'organisation. Puis ça, ben, on peut pas. Alors, je pense que c'est une question de vraiment travailler ensemble. Puis c'est peut-être plus facile dans une petite entreprise, dans une grosse, ça l'est moins. Des fois, il y a toutes sortes de choses là, qui rentrent en conflit. Alors, je pense que oui, je pense qu'il faut aller vers ça parce que bon, c'est ce que la nouvelle génération souhaite. Maintenant, il faut que la nouvelle génération, puis là, je parle à nos étudiants qui nous écoutent, là, nos futurs gestionnaires, vous allez voir, bon, c'est captivant, là, être gestionnaire, là, mais ça vient avec des responsabilités, ça vient avec du stress, ça vient avec toutes sortes de complications. Gérer des ressources humaines, c'est ce qu'il y a de plus dur, de plus compliqué, parce qu'on gère de l'humain, puis c'est correct, hein, c'est pour ça qu'on a besoin de gestionnaire. Si tout le monde savait quoi faire, puis qu'il n'y avait pas besoin de gestion, ben il n'y aurait pas de poste de gestionnaire. Mais je vous confirme que c'est pas une voie qui est une espèce en voie d'extinction. Des gestionnaires, au contraire, vont en avoir besoin de plus en plus, puis des bons gestionnaires, des gens qui vont être capables de justement d'être flexibles, de vivre avec les contraintes qu'on vit dans le moment, mais aussi avec les chocs des générations. Moi, quand j'ai commencé en 1980, j'étais en cuisine, là, mais écoutez, c'était oui chef, chef, oui chef, là, hein. Quand le chef disait quoi, là, c'était oui chef, puis on c'est plus comme ça que ça fonctionne, puis thanks God. C'est bien mieux, là, parce que c'était vraiment exagéré. Mais maintenant, il ne faut pas aller vers le contraire non plus, où est-ce qu'il n'y a plus de respect pour l'autorité, où est-ce qu'on se fout un peu de tout ce qui se passe. Ultimement, c'est le produit qui va en souffrir. Alors, je pense que c'est un juste milieu. Il faut trouver la balance entre, oui, Mario, tu peux changer de chiffre avec Xavier, mais ce serait le fun que tu m'en parles avant, tu sais, avant d'en parler avec Xavier. Comme ça, on pourra gérer ça ensemble. Alors, vous voyez. Je vais parler à mon syndicat avant. Mario, puis malgré le jeune âge de Mario, là, il quand même est très compétent. Mais c'est un élément, puis ça me ramène aussi, puis c'est peut-être un défi de vigilance accrue là, pour l'enseignement, puis pour la relève. On est dans un univers, puis on a de plus en plus de collaboration avec le secteur de l'innovation, puis
On parle des enjeux de main-d'œuvre, puis j'ai eu la chance là, d'être impliqué plus activement au MT Lab, notre incubateur au niveau tourisme, divertissement, culture. Puis il y a des belles solutions là, pour justement rendre très, très productive la gestion des horaires des employés, des listes de rappels, même en milieu syndiqué, André, pour rendre ça plus facile et développer de l'autonomie. Mais c'est des nouvelles compétences. Comment t'expliques à Xavier qu'il est un employé 2 étoiles, puis que Mario, c'est un 3 étoiles, puis Mario a le droit de faire des échanges sans autorisation avec du 3, puis que lui, il n'est pas rendu à ce niveau d'expérience et de diversité de compétences-là encore? Bien, on ouvre un autre sujet. Comment on explique ça à nos employés, leur niveau, puis leur... Puis si on annonce à Xavier que c'est un 2, qu'est-ce que je lui offre pour lui dire qu'il va pouvoir cheminer vers un 3 étoiles? On change les paradigmes complètement, mais probablement que ces éléments-là, on va y faire face assez rapidement. Puis c'est peut-être un élément sur lequel aussi, là, en partage d'expertise, vous pouvez nous aider. Parce que l'enjeu qu'on a, c'est en contexte de rareté de main-d'œuvre, puis qu'on a des gestionnaires qui descendent sur le plancher, c'est ce temps d'adaptation-là qui est difficile en ce moment. On le sait qu'il y a des solutions alternatives. On le sait qu'il faudrait se pencher sur de la réorganisation, mais on n'a pas le temps. On fait des chambres ou on fait de l'accueil. Donc, peut-être qu'à ce moment-là aussi, là, avec ce souhait d'écoute là, puis votre capacité de participer, bien, d'être capable de nous apporter des ouvertures et de nous apprendre à vous écouter puis que vous appreniez de cet échange-là, parce que entre l'expérience d'un vieux routier de gestion qui va dire « c'est une bonne idée, mais je vais t'expliquer pourquoi il faut que ça va se faire par étapes, parce qu'il y a une réalité de travail que tu ne maîtrises pas, tu n'as pas encore assez d'expérience », ça peut générer des très, très beaux dialogues. Ça peut être très intéressant. Je vais reposer d'autres questions, juste mentionner, moi je suis pris sur une question, lorem ipsum, donc je ne sais pas s'il y a des questions qui seraient rentrées du public. Pour relancer le débat, j'ai osé vous poser la question sur vos attentes envers l'employeur comme relève là, qui va diplômer. Inversement, mais sur le siège chauffant, en vous demandant un jeune de la relève là, qui va se joindre à notre industrie, là, qui va commencer sa carrière, prenez-le largement, là, qu'il soit en formation professionnelle ou en formation académique plus avancée. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui va se lancer pour se démarquer? C'est une question de préparation, c'est une question d'attitude, c'est une question de travail préalable. Si vous aviez donné un conseil ou deux à la relève sur comment se démarquer? Moi, je pense que c'est une question d'attitude, puis de laisser éclater sa passion. Tu sais, c'est une industrie de passionnés. Puis de s'engager, s'impliquer, puis d'être ouvert. Mais moi, c'est beaucoup ça que je vais regarder, l'attitude, puis l'ouverture. Mais en général, quand tu es passionné, tu l'as aussi. Ça, tu veux t'engager, tu veux aller plus loin. Cette démonstration-là, la démonstration, de curiosité, oui. Oui. C'est un bon terme, c'est la démonstration, oui. Pour moi, c'est ça. Donc, de dire, ça vous demande de développer vite votre confiance pour débarquer avec cette attitude-là et en même temps, toute l'humilité d'un apprentissage à développer. Tu me permets, parce qu'en même temps, je reviens encore sur ce que disait Brittany tantôt. Tu sais, on a je pense qu'on cherche la souplesse dans l'industrie touristique, puis tout ça. Donc, quelqu'un qui arrive, qui aime ça rigide, qui est dans un cadre, je pense que ça ne fit pas. Ce que je disais tantôt, que notre industrie peut offrir cette souplesse-là, c'est vrai, je le crois, mais à l'inverse, si un employé arrive avec qui a besoin d'un cadre rigide, puis ça risque de ne pas fonctionner. Donc, c'est pour ça. En même temps, c'est la rigidité, l'ouverture, puis la passion. Quand tu es passionné, tu n'es pas pris dans un cadre. Bien, je trouve ça intéressant, parce que vous lancez le défi aussi d'essayer de mieux comprendre la réalité des postes, puis dire ça a besoin de plus d'encadrement. Il y a des postes qui sont plus normés, vous allez peut-être être plus confortable. Puis il y en a qui sont un peu plus en mouvance toujours et en réactivité, donc d'être capable de vous ajuster à ça. Mais moi, je n'ai pas travaillé avec un syndicat comme André, par exemple. Là, c'est peut-être plus encadré. C'est parce que t'es trop jeune, Mario. Trop jeune. André, il y a une petite main jaune qui est disciplinée. Ouais. On ne te connaît pas comme ça, André. Malgré son jeune âge, toute l'expérience de Mario, attitude et passion. Écoutez,
On dit souvent en ressources humaines, on engage sur des compétences puis on congédie sur des attitudes. Alors, ça, c'est peu importe l'industrie, que ce soit l'industrie touristique ou quoi, quel que soit. Le savoir-être est drôlement important. Le savoir-faire, ça s'acquiert. Le savoir-être, ça, c'est une question de toutes sortes de choses, d'éducation, puis on rentrera pas là-dedans, là. Mais je suis très, très d'accord avec Mario. L'attitude, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, juste donner un petit exemple au niveau de la passion. Parce qu'évidemment, pour travailler en tourisme, je pense que c'est ça. Ça demande de la passion. C'est le fun d'être passionné, parce que quand tu es passionné de faire ce que tu fais, ben dans le fond, tu travailles pas. Tu as du plaisir à le faire. Alors, je dans mon jeune âge, là, il y a très, très longtemps, Mario n'était pas né, j'ai été professeur en cuisine. Écoutez, et mon premier cours, j'ai ma gang d'étudiants devant moi, puis là, je leur pose la question, je dis, qui parmi vous aime la cuisine? Alors, ils sont en train, c'est leur premier cours de cuisine. Alors, évidemment, les 15 étudiants lèvent la main, ils aiment la cuisine. Et ma réponse a été de dire, ben si vous aimez ça, là, c'est juste pas assez. Il faut que vous soyez passionné et que quand vous parlez de cuisine, vos yeux se mettent à briller puis que vous sentez que vous aviez envie d'en faire de la cuisine, que vous tripiez là-dessus. C'est ça de la passion. C'est ça qu'on a besoin dans notre industrie, des gens passionnés. Puis c'est une industrie qui est rempli de gens de passion. Fait que, attitude, passion, bravo Mario, t'as l'étoile du match. Ah, professeur André est fier de son élève. C'est d'autant plus important, je pense, quand on parle à des futurs gestionnaires, là. Donc, vous avez déjà un parcours scolaire, puis vous avez, en tout cas, fait le choix jusqu'à ce moment-ci de faire carrière avec nous. On aura peut-être une exigence un peu plus modérée sur les emplois de première ligne saisonniers ou de passage, mais ceux qui ont envie de faire carrière, je pense qu'on vous donne une des clés de dire, bien, on est très professionnel, mais on est une gang de tripeux. Puis quand ça sortait beaucoup dans les sondages sur l'esprit d'équipe, puis c'est de voir un peu la complicité qui s'installe, c'est une grande famille. Fait qu'à partir du moment où vous vous dégainez vite, que vous travaillez sur votre réseau, que vous développez, bien ces réseaux-là qui vont partir de bancs d'école, puis votre complicité actuelle, elle vous suit en toute la carrière. Moi, ça fait quelques années, les cheveux blancs trahissent que je suis dans cette industrie-là. Puis des collègues de banc d'école sont encore proches dans mon réseau d'échanges, de conseils. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, cultiver puis développer assez rapidement votre réseau peut être une bonne façon d'avancer puis de garder votre horizon ouvert. Donc, Xavier, je pense que tu ajouterais à tout ça. Écoutez, c'est juste de... Vous avez à peu près tout dit, là. Je sais que je suis la deuxième étoile. Merci, André. Pour toute la matinée, merci. Sincèrement, effectivement, le savoir-être, c'est extrêmement important. Les acquis, vous allez les avoir, là, ça c'est certain. Mais vous savez, il y a quelques années, quand les employés arrivaient dans les entreprises, on disait, ben, vous savez, la table, il faut la mettre comme ça. Et on la mettait comme ça. Maintenant, effectivement, avec les gens avec qui on travaille, ils vont dire, ben, pourquoi on la met comme ça? Et c'est ça qu'on attend de vous. C'est de vous poser la question pourquoi, et c'est à ce dont je m'attends de la part des gens qui travaillent dans mon équipe. C'est pourquoi. L'enjeu, c'est d'être passionné, oui, d'avoir envie, oui, mais c'est de poser des questions, de s'intéresser à et faire l'extra mile, d'aller plus loin dans le secteur d'activité, ce qui démontre vraiment une volonté d'entrer dans l'industrie, puis de s'informer aussi, puis de s'informer à travers la planète. On a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de benchmarker, de voir ce qui se fait ailleurs, parce que vous risquez de travailler aussi à travers le monde avec notre secteur d'activité. La beauté de notre secteur d'activité, c'est si demain vous voulez travailler à Singapour, vous allez à Singapour et il y a du boulot. Mais c'est mieux le Québec. Mais bon, si jamais vous voulez aller là-bas, il n'y a aucun problème, parce que ce que je dis toujours, et puis on a souvent cette rétention-là, et puis là, on va me dire Xavier, mais on dit, oui, les jeunes s'en vont travailler à l'étranger, mais souvent vous revenez. Il y a un bagage vraiment différent. Vous avez appris des choses que vous avez rapportées ici et qui nous permettent d'aller plus loin. Alors ça aussi, c'est important d'être curieux. Alors moi, je m'attends à avoir des gens curieux de ce secteur d'activité qu'on vit. Et puis effectivement, on a la fraternité, la collégialité, on est ensemble, on a des équipes, c'est le fun. Mais la curiosité va vous amener plus loin aussi à découvrir notre secteur. Alors voilà, c'est curiosité, passion, égale. Et puis après, vous allez être en voiture dans notre secteur d'activité, là. Il n'y a aucun enjeu. Et surtout, je veux rappeler, parce qu'on est ici, vous êtes des futurs gestionnaires, dans le main-d'œuvre.
se situe aussi à, avec des préposés à l'entretien ménager, avec des gens qui sont à la plonge, avec des aides cuisiniers. C'est des postes qui sont là. Un jour, il va falloir aller faire un tour dans ce secteur-là. Il va falloir aller sur le terrain, de comprendre ces métiers-là aussi, de voir ce que les gens vivent. Parce que pour être un bon gestionnaire, il faut comprendre ce que vos employés font. Alors ça aussi, c'est important à savoir. Et puis, on a une grande pénurie de main-d'œuvre avec ces gens-là, avec ces gens de première ligne. Et donc, en tant que gestionnaire, présentement, on l'a dit, c'est l'enjeu qu'on vit, ben, c'est de pallier à ça. Alors, il faut savoir que pendant un temps, vous allez pallier à ça, mais c'est extrêmement positif. Vous êtes d'extrêmement bon gestionnaire en faisant ça, là. Vous allez vraiment comprendre le secteur. Un peu ce que je voulais dire. Tu as réveillé un écho de mon passé, du jeune François diplômé, fraîchement diplômé, avec son bac en gestion du tourisme. Un vieux sage me dit... François, un bac, ça ne te donne pas la permission de partir au quatrième barreau de l'échelle. Ça veut dire que tu vas atteindre le quatrième barreau de l'échelle plus vite que les autres. Sois humble, pars au premier barreau quand même. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être un autre des conseils à vous dire, ça fait partie. Maintenant, vous travaillez plus souvent pendant vos études, fait que les premiers barreaux, les expériences se prennent. Puis, vous êtes probablement dans un contexte où l'ascension peut être beaucoup plus rapide. Avec les caractéristiques qu'on vous donne, probablement que les opportunités vont venir rapidement. Mais je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné en disant « pense pas que tu es rendu, là. Pense que tu arrives avec un meilleur coffre à outils que d'autres qui débarqueraient sans cette formation-là. » J'ai une question d'ailleurs de la salle, je vais surfer là-dessus en disant « sur un horizon de 3-5 ans, là, qui est une éternité, vous voyez où? Comment vous voyez ça, un début de parcours professionnel? C'est quoi l'aspiration en disant « ben moi, je pense dans 3 ans, j'espère être dans un poste de responsable où j'espère avoir changé 3 fois d'entreprise pour diversifier mes expériences. Puis sans que ce soit représentatif, mais c'est le fun pour tous les gestionnaires qui écoutent d'entendre 3 témoignages de 3 membres de la relève là, sur comment vous vous projetez sur un 3-5 ans. Est-ce que vous pouvez mettre le micro? On ne l'entendait pas bien tantôt. Ah non? Le micro de Daniel. OK, c'est bon. Mais pour moi... dans les 5 années, dès que j'ai fini mon bac, mon DEC, j'aimerais aller en Colombie-Britannique, finir mon bac en gestion du tourisme, faire mes 2 dernières années, avoir mon diplôme universitaire. Puis après ça, j'aimerais travailler en marketing pour des DMOs. Pour, mon but, c'est destination Colombie-Britannique, LOBC, et puis travailler en marketing. Puis à partir de ça, être capable de monter l'échelle, puis avoir beaucoup d'expérience dans différentes sortes dans l'industrie, puis ça, c'est mon but. Alors, beau profil. C'est sûr de vouloir faire carrière avant la 2e plus belle province du Canada, c'est... On a le droit d'être un peu chauvin quand même. Mais beau parcours, puis c'est vrai que c'est le fun, parce que, bon, il y en a quand même beaucoup. Mario est sur un territorial, puis André l'a fait pour la Ville de Québec. Moi, j'ai eu la chance de gérer ce regroupement-là, donc... toujours agréable d'entendre qu'il y a encore des aspirations de gens qui veulent prendre ce lead-là au niveau DMO puis promotion de territoire. Anastasia, de ton côté? Pour moi, c'est vraiment difficile à dire parce que, comme on a dit, il y a tellement beaucoup de positions puis beaucoup des endroits, mais j'aimerais toucher un petit peu de tout. Mais mon but est vraiment de faire les gens voyager dans les endroits qui ne sont pas encore populaires. Puis, j'ai entendu que les gens n'aiment pas, par exemple, des Scandinavia. Il y a tellement les opinions pas vraies, que c'est trop froid et c'est pas très plaisant. Mais il y a les clients très niches, puis j'aimerais travailler dessus. J'aimerais faire peut-être marketing, puis découvrir les nouvelles destinations pour... les gens, puis lui montrer qu'il y a beaucoup d'expériences encore nouvelles qu'il peut avoir. Oui, c'est ça. Non, puis c'est intéressant parce qu'on a ce même défi-là. La ministre du Tourisme est en entrevue ce matin. La ligne qu'elle répète, c'est qu'il reste tant de choses à découvrir encore. Oui. Les Québécois ont vraiment eu, peut-être parce que c'est une question de captivité, de frontières, pandémie, mais ont redécouvert ou ont découvert des volets du Québec. Puis même si les frontières réouvrent, il reste tant de choses à découvrir. Donc, même en restant au Québec, ces endroits méconnus, ils sont tellement encore nombreux. Donc, mais non, belle démarche. C'est toujours intéressant de voir que vous avez des objectifs de carrière au-delà des étapes de cheminement.
William, qui vient de plonger récemment, là, récemment diplômé. Oui, mais en fait, moi, ça fait déjà 10 ans là, que je suis dans le domaine de la restauration et hôtellerie. J'ai commencé à 15 ans. Mais d'ici mes 3-5 ans, j'aimerais fortement ouvrir mon bed and breakfast, soit dans les Laurentides ou la Naudière. Mais oui, là, présentement, je suis directeur de service à la clientèle, donc ça fait déjà plusieurs années là, que je travaille dans le domaine, puis que j'ai échelonné, j'ai monté les échelons. Donc, j'aime ça. C'est côté Mario que tu disais, le repreneurship, entrepreneurship, il y a des opportunités, il y en aura vraiment beaucoup. Oui, effectivement. Dans les prochaines années, intéressantes. Effectivement. Je vais compléter le panel, Daniel. Tu es où dans 3-5 ans? Mais ça a l'air de quoi enseigner dans 3-5 ans? Qu'est-ce que tu aspires à intégrer dans tes approches? En fait, beaucoup plus de pratiques. Nous, on a un programme qu'on a mis en place et bon, il faut qu'il parte. Et grâce à l'aide conjointe qu'on peut avoir de l'industrie, c'est l'apprentissage en milieu de travail. C'est vraiment d'avoir nos étudiants sur le milieu de travail. Vous l'avez dit, ça va leur permettre de gagner des sous pendant qu'ils étudient et en même temps gagner de l'expérience. Alors, un diplômé de DEC 3 ans, bah, il aura aussi 3 ans d'expérience et il sera beaucoup plus vendable. Donc ça, je me vois vraiment être au cœur de l'action. Alors, Brittany voudrait travailler pour un DMO, moi je vais créer quelque chose qui s'appelle le IMO, Industry Management Organization, et en fait d'aller vraiment promouvoir l'industrie à travers, pas simplement le Québec, le Canada, mais le monde entier, pour aller recruter des gens dans cette industrie et nous les aider à les former, parce qu'on est vraiment, je dirais, la courroie de transmission entre le avant l'industrie et qu'ils les formons pour les amener vers vous. Donc on doit être capable aussi de vendre cette industrie grâce à votre support et grâce à notre expertise qu'on va continuer à développer, parce que nous sommes aussi des gens du terrain. C'est ça la beauté d'enseigner au niveau technique, au niveau du collégial technique, c'est que nous sommes des passionnés, nous aussi, et on l'entend souvent de nos étudiants en disant « Waouh, vous êtes tellement passionnés, on dirait que vous mangez ça au petit déjeuner le matin », mais c'est vrai, c'est exactement D'accord. Ça. Donc, non, je me vois vraiment être vraiment un pied dans le terrain et un pied dans la classe en même temps. Ça va faire un beau grand écart, mais je sais danser. Voilà. On est capable. Mais tu amènes un élément important. Puis c'est vrai qu'on soulevait pour les employeurs en disant on a développé pendant des années ces compétences de mise en marché du produit. Et là, on a à transférer ces compétences-là dans la mise en marché de notre secteur respectif, mais ensemble comme industrie. Je trouve ça intéressant de dire comment une organisation qui actuellement là, très réputé en lead de promotion de territoire, peut aussi devenir un partenaire de leadership, de mise en valeur, puis de promotion de l'industrie comme secteur de carrière. C'est peut-être un beau challenge là, pour les amis. Xavier, bon, tu étais à HQ, tu as fait beaucoup de choses en promotion de carrière dans ce secteur-là. André prend la relève actuellement. Mais tu as fait aussi Office de Québec, Mario, tu es à Montérégie, tu as fait Côte-Nord. Comment vous recevez ça, l'évolution de votre rôle pour être aussi des acteurs de promotion d'industrie? Écoute-moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai commencé ça. Vous savez, je recevais justement un retour Facebook parce que j'étais il y a 2 ans à l'école hôtelière de Lausanne. Puis je m'en allais un peu voir ce que se faisait dans le monde, différentes. Puis c'est aussi le volet de recrutement aussi, de ramener des jeunes dans notre secteur d'activité et de les ramener aussi au Québec, parce qu'on est très attractif quand même. Ce que je voyais, parce qu'il faut aussi juste rappeler, ce qu'il faut noter, c'est, vous savez, notre secteur d'activité, on est des champions du service à la clientèle. Puis on se fait voler nos employés par d'autres secteurs d'activité, parce qu'on est ces champions-là. Alors oui, aller les chercher avant, mais il faut qu'on les retienne dans notre secteur d'activité pour pas qu'ils fassent autre chose. Quand j'étais à Lausanne, les exposants qui étaient là, c'était Rolex, c'était Louis Vuitton, c'était Cartier, c'était ces gens-là qui étaient là pour recruter des gens qui sortaient de l'hôtellerie pour travailler chez eux. Alors, c'est important de ramener ça et puis aussi d'avoir de la rétention de nos étudiants et qu'ils poursuivent dans notre secteur d'activité. Je vais peut-être éloigner un peu de ta question. Ça revient vrai aussi pour nos employés actuels. Tu as raison, on recrute des passionnés puis on les forme pour qu'ils deviennent des top guns au niveau du service clientèle, expérience visiteur.
c'est sûr qu'on a un bassin intéressant pour d'autres services qui voient bien qu'on a cette habileté-là à les identifier puis à les former. Donc, à nous de relever ce défi-là, de leur faire vivre une expérience et dire « oui, j'ai les compétences, mais est-ce que j'aurai autant de plaisir dans un autre domaine que dans le domaine du tourisme où en disant, on a beau dire qu'on c'est exigeant de faire vivre du bonheur, mais c'est valorisant aussi. » Puis, juste terminer, Mario, je sais que tu es le premier de la classe. Quel champion, ce Mario. Non, c'est toi, 5 étoiles. 5 étoiles, ou comme tu veux. Étoiles sur 5 étoiles. Non, les étoiles, on ne va pas en parler aujourd'hui. mais, André, mais ce qui est important de noter, j'ai perdu le fil du coup de mon histoire, mais ce qui est important de noter, c'est que quand on va chercher ces gens-là à l'étranger, je reviens, quand on va chercher ces gens-là à l'étranger, on a le Québec qui est hyper vendeur, d'accord, en termes d'étudiants. Ils adorent le Québec. Et quand on y va, c'est des « wow ». Alors, nous, ce qu'on demande au gouvernement, à ces gens-là, c'est facilitons vraiment l'accessibilité à ces gens-là pour les ramener. Je fais un peu mon côté politique avec André. C'est facilitons ça parce qu'il y a vraiment un appel d'air de la part des autres destinations pour venir apprendre ici, pour venir travailler au Québec. Oui, il y a des gens qui sont ici, mais vous savez, avec le taux de chômage qu'on a présentement, eh ben, on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs artifices pour ramener des gens dans notre secteur d'activité. Et ça, c'est un artifice. Oui, il y a les permis de travailleurs étrangers, mais il y a ces étudiants-là qu'on peut ramener. Alors, je comprends tout à fait la promotion de l'industrie touristique et à l'extérieur, et puis de vendre la destination en même temps. Ça, c'est important pour ramener ce monde-là chez nous. Voilà. Dans le fond, c'est pas. On a la chance d'être dans l'industrie touristique au Québec. C'est facile à vendre pour attirer si on est attrayant. La structure, la façon qu'on est organisé au Québec, c'est vraiment très motivant par l'Alliance, le réseau des ATI, ATS, ATR, puis avec un ministère qui nous appuie. Fait que déjà, en partant, quand on veut recruter, là, je parle plus dans le réseau associatif, là, je ne suis pas dans l'entreprise, mais il reste quand même qu'avant la pandémie, on était la province qui avait la plus forte croissance au niveau tourisme international au Canada. Puis on se classait très bien à travers même avec d'autres comparables dans le monde. C'est que c'est stimulant. Puis autant nous autres, on dit on va embaucher des ressources qui sont passionnées. Bien, on est un réseau de passionnés aussi là, dans le réseau. Puis c'est ça qui est le fun. Puis j'ai pris mon téléphone, papa, je prenais les textos, c'est parce que j'avais mis des notes, des idées. Mais là, ça sonne. Désolé. Mais. mais j'ai moi aussi, là, j'ai perdu mon fil, mais ce que j'allais dire, oui, le réseau des nouveaux, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui rentrent dans le réseau, bien, je pense qu'on est capable de bien accueillir notre monde aussi. Puis ça, c'est intéressant aussi pour des gens qui vont rentrer dans un réseau. Puis on a un réseau fort au Québec, là. Puis que ce soit même dans le réseau associatif, mais dans le réseau associatif, on est très près de nos entreprises. Ça fait quand vous rentrez dans le réseau, là, il y a tout un soutien, puis c'est stimulant. André, un mot supplémentaire? Oui, bien écoute, on parlait de valorisation, on a parlé tantôt de reconnaissance, on a parlé de toutes ces choses-là. Fait que ta question, François, c'est de savoir, nous, comme employeurs ou les entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour valoriser l'emploi? Bien, déjà, en traitant bien nos employés, en ayant des plans de relève, comme on a parlé tantôt, des moments de reconnaissance, des gestes de reconnaissance, de belles conditions de travail, un bon climat de travail. Bien, ça, je pense que nous, comme employeurs, on peut faire cette promotion. Là, mais nos employés vont la faire aussi dans leur propre réseau. Là, on parle des jeunes là, qui rentrent sur le marché du travail, les médias sociaux, les contacts qu'ils ont avec leurs amis, de dire, ben, hey, tu devrais venir travailler avec nous autres, on a tellement de plaisir, c'est le fun ce qu'on fait. Fait que je pense que nous, comme employeurs, si on peut créer ce climat, cette ambiance-là, ben, non seulement ça va être bon pour le service à la clientèle, parce qu'évidemment, quand on a du plaisir, on est toujours plus performant, puis ultimement, c'est le client qui va en bénéficier. Mais en plus, on peut vraiment amener d'autres jeunes à choisir des carrières dans l'industrie touristique par le biais de nos employés, si justement on est capable de leur donner des conditions de travail, puis un climat de travail, puis des défis intéressants. Tantôt, François, t'as abordé très, très rapidement le mot de la marque employeur. Ben, je pense que maintenant, de plus en plus, les organisations ont compris que oui, on fait un marketing là, pour venir chercher amener de la clientèle dans nos entreprises.
mais de plus en plus, chacune des entreprises développe sa marque employeur qui est vraiment un marketing pour aller recruter des bonnes ressources. Puis qu'est-ce qu'on fait avec une marque employeur? Ben, on fait parler nos valeurs, on fait parler un peu les avantages, puis on essaie de faire passer là, toute la passion qu'on a dans cette marque-là pour attirer justement des jeunes passionnés qui vont prendre la relève, de gens qui sont vieillissants comme Xavier et moi. Il va juste rester Mario là, tantôt. Ah ben merci André. Puis c'est vraiment Daniel, tu me donnes l'opportunité aussi de mettre en valeur des actions plus récentes. La création de l'alliance, c'est pour qu'on ait une voix unique pour essayer de justement qu'on parle de notre industrie, son impact social, son impact économique. Qu'on a un espace de discussion, tous les partenaires ensemble, pour aligner nos travaux. Puis, concrètement, dans l'enjeu de main-d'œuvre, bien, ça a donné des premières campagnes collectives pour attirer l'attention sur l'emploi en tourisme. Pas des choses qu'on avait déjà fait avant. Fait que cette notion-là d'être ambassadeur d'industrie ou destination management, mais industry management marketing, on s'en va vers là. Fait que, ça va faire partie quand on disait maintenant le dialogue avec vous autres réseaux d'experts. Qu'on continue d'aller un peu plus loin. Le temps file, on va arriver près de la fin, mais il y a une question de la salle. Donc, on a le droit, si vous avez des questions de la salle virtuelle, j'ai toujours le iPad pour les questions. Sinon, bien, Isabelle avait une question. La salle. Ah, ben oui. J'aime bien que... Donc, Isabelle Allé, étudiante de ta vie, éternelle, probablement. Là, oui. Enseignante ici au Collège de la Salle depuis un peu de temps. Merci, Daniel. En fait, tu as... exposer ce que je souhaitais remettre en lumière. Xavier, tu as parlé de tout le concept d'alternance, travail, études, etc. C'est des programmes extraordinaires qui sont malheureusement peu diffusés ou pas connus ou très peu connus. Et je pense qu'on doit travailler aussi en amont. On le dit, là, je veux le redire, ce mot-là, c'est très important. C'est secondaire 4, secondaire 5, c'est là où on doit aller. C'est là où on doit leur dire, « Hey, viens étudier dans un domaine extraordinaire. » Puis en plus, là, tu vas déjà commencer à travailler dès la première année. On va te laisser le temps de prendre ton expérience. C'est vous qui disiez tantôt l'importance de faire toutes les tâches. Puis ça m'a rappelé la présidente, je ne suis pas sûre de son terme exact, là, mais la dame d'Hydro-Québec, qui est vraiment une femme extraordinaire que j'apprécie et qui a fait un reportage récemment. Elle était chez Pacini. Puis là, elle expliquait tout ce qu'elle a fait. Puis comment c'était si important d'apprendre et savoir l'impact que tu vas avoir avec le laveur de vaisselle, après ça le cuisinier, le chef, le sous-chef, le suiteur. Si tu les connais pas, toutes ces tâches-là, ben, même si tu arrives avec ton 3 ans puis tu es gestionnaire, ben, tu n'as pas l'expérience. Donc, ces alternances travail-études, ces apprentissages en milieu de travail, et en passant, pour les entreprises, là, je ne sais pas où la caméra, je vous regarde, vous, messieurs, là, mais il y a des avantages fiscaux intéressants en plus. Dans l'alternance travail-études, il y a des sous qu'on peut aller chercher pour les superviseurs, pour le temps, etc. Donc, oui, je le sais que vous allez me dire, ouais, ben, tu sais, un stagiaire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la patience, etc. Mais il y a aussi, il y a des avantages fiscaux et dites-vous que vous allez probablement le retenir, cet étudiant-là. Puis d'accord. L'année d'après, il va probablement revenir. Puis à la fin de ses études, eh bien, il va avoir acquis cette expérience-là qui va vous permettre d'avoir un pluridisciplinaire. Donc, je me fais un petit peu là, la motivatrice par rapport à ça. Plusieurs écoles ont ce genre de programme-là. Donc, il faut aller voir. Et par rapport aux écoles, je recule un tout petit peu. Je change de chapeau parce que je suis aussi administratrice. En fait, je fais partie du conseil d'administration de l'Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie, l'ACFOR. Je suis là depuis 2 ans. En fait, je suis arrivée là en mars 2020. Non, je pense le 3 mars 2020. Et après ça, pouf, et voilà. Un peu comme vous, ça s'est mis à tourbillonner. Et ben, nous, on a la valorisation de la de l'enseignement, de la diplomation, ça fait partie de nos principes, de nos valeurs. Et un peu plus tôt, il y avait, je me rappelle plus là, parce que ça fait un petit moment, il y avait des gens qui disaient, oui, mais
les entreprises, on ne sait pas trop les écoles, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les formations. Il y a un lien qui doit se créer, il y a de l'apprentissage mutuel qui doit être là. Oui, on a des écoles, et nous, ben, les principaux membres de l'ACFAR, ce sont les écoles. Et évidemment, vous pouvez devenir membre en tant qu'entreprise, en tant qu'association sectorielle, en tant qu'ATR. Venez chez nous, là, je fais un petit peu je mousse un petit peu l'ACFAR. Parce que j'y crois, puis parce que je pense qu'on est un super courroie de transmission entre les entreprises du Québec qui recherchent des étudiants, qui recherchent des diplômés. Ben nous, on a les écoles chez nous, et vous, ben, vous avez besoin de nos étudiants qui terminent. Ben on est là pour s'entraider. Donc, pour ceux qui écoutent, les entreprises touristiques qui écoutent ou les membres associatifs, eh bien, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez aller sur le site de l'ACFAR et puis on est très ouvert. Puis on souhaite augmenter en fait le nombre d'entreprises qui fassent partie de notre association. Merci beaucoup. Merci, j'ai beaucoup apprécié. Puis je suis comme Daniel, moi je suis pro pour retourner dans l'entreprise n'importe quand. Merci Isabelle. Je pense qu'elle avait reçu le mémo sur la passion, elle. Hein? j'ai pas de nouvelles questions, donc peut-être dernier mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a un étudiant qui, sur ces interventions-là, il y a une question supplémentaire ou si un des panélistes. Il est déjà rendu 11h30, donc ça a passé en coup de vent. Ça fait 2h30 qu'on discute, ça a passé comme ça. Brittany? Oui, je voulais juste dire vraiment un gros merci à venir ici aujourd'hui parce que, surtout avec la pandémie, nous autres étudiants, on était en ligne puis on n'était pas vraiment capable de rencontrer le monde dans le domaine. Fait qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du bien d'être capable de parler avec vous à propos des enjeux dans notre domaine puis apprendre aussi. Fait vraiment un gros merci. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'était un plaisir partagé de... Je pense qu'on avait tous très hâte de se revoir, mais on avait tous très hâte de vous revoir. On était habitués d'avoir nos rencontres annuelles, puis de venir aux journées d'emploi, puis de renouer. Je pense que c'est un grand plaisir. Puis on invite tous ceux qui nous écoutent, là, qui ne peuvent pas se joindre parce que c'est encore en quantité limitée. Rechercher ces occasions-là, ça redonne une énergie folle. Bien, je voulais aussi vous remercier et puis rappeler, en fait, vous l'avez bien dit, votre attitude, c'est votre altitude. Donc, c'est vraiment ça ce qui va vous mener vers les hauteurs. Et la passion, c'est, je dirais, l'essence même de l'engin que vous êtes, du véhicule vers les sommets. Et Anastasia a dit qu'elle était intéressée par tout ce qui était région. Moi, je voudrais faire du pouce sur ça. Les étudiants internationaux, c'est vraiment un beau terreau pour nous parce qu'ils viennent étudier au Québec, donc ils connaissent, ils vivent l'expérience Québec. Ils vont peut-être rester travailler au Québec et puis après ça, ils retournent chez eux. Ils deviennent les meilleurs ambassadeurs du Québec et peut-être même les meilleurs ambassadeurs de l'industrie aussi parce que la langue de l'hospitalité, elle est universelle. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. J'ai égaré mes feuilles de notes. Là. S'il y avait un mot de la fin plus officiel que le mien, je me sais plus qui rappeler, donc voilà. Chers amis, chers partenaires, chers collègues, merci beaucoup. Trois choses qui me viennent en tête comme... j'ai oublié de me présenter au début. Je m'appelle Wolfgang Krott, je suis le directeur des études ici au Collège La Salle, très fier de ça. Deuxièmement, comme être humain, c'est clair pour moi que c'est extrêmement important de voyager, d'explorer. Les jeunes le savent, moi je le sais. J'étais moi-même étudiant international il y a 30 ans. J'ai voyagé après, j'ai rencontré une Canadienne. Voilà. 30 ans après. Et la plus grande enthousiaste de voyager, de tourisme, c'est ma femme. Donc, je connais ça. Je voulais dire aussi... comme éducateur, tout ce qu'il y était dit de l'alternance, travail-études, apprentissage au milieu de travail. Vous avez parlé beaucoup de la passion, de la durabilité. Tout ça, on a compris. On veut y aller. On est déjà là. Ça fait partie de notre marque, de notre attitude. Donc, c'est très clair que
on va apprendre de cette conversation. Je vous remercie beaucoup, chers panélistes, chers amis, chers partenaires. Merci beaucoup. Merci. Et quand je regarde là-bas nos jeunes et nos enseignants, c'est fantastique. Je ne sais même pas quoi dire. Fantastique, chers étudiants, chers enseignants. Et aussi un grand merci aux Madame Guy et Madame Ciotola pour organiser l'événement. Merci mille fois pour être là. À une prochaine fois. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui étaient ici en salle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis par le web. Merci Bonne beaucoup. Fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Salut, André.